Salut, bienvenue à tous. Alors, ah merde, je m'entends. Ah, je sors d'où? Ok, c'est bon, désolé. Il y a des clones chez moi, c'est pour ça. Alors, 2 secondes, je vais ouvrir le chat parce que je viens de le perdre, parce que j'ai tout fermé. Voilà. Alors, petit live tranquillou ce soir. Je pensais faire un petit truc sur Rust ou sur la création d'une API pour faire peut-être un futur tuto ou tester des trucs. Mais juste avant, bah, j'ai des petits trucs à corriger sur le site. Alors rassurez-vous, ça va pas être long. C'est tout simplement parce que je suis en train de publier la formation API plateforme et en la publiant, j'ai réalisé que le site, l'admin, ne fonctionnait pas correctement. Donc bah, il faut que je corrige ça juste après avoir positionné la caméra un petit peu mieux. Voilà. Alors, le premier truc que j'ai remarqué en fait, c'est que quand je vais sur. Alors, pour ceux qui veulent, la formation API Platform, elle est commencée. Alors, ce n'est pas la version finale, il reste des trucs que je dois mettre en place. J'en suis là actuellement, donc ça, c'est tout ce que j'ai enregistré. J'ai envie de mettre en place tout ce qui est accès, sécurité, donc ça fait quand même pas mal de chapitres. Peut-être il y aura un chapitre aussi pour parler du GraphQL, un chapitre pour peut-être parler des TTO, mais je ne sais pas si je vais l'intégrer encore parce que ça n'a pas l'air d'être le truc super conseillé. Et après, il y a la partie TP. Du coup, il y a quand même pas mal de choses. Je pense qu'on devrait avoir quand même pas mal de trucs en plus. Voilà, donc là, je vais juste corriger quelques petits bugs et ensuite on verra si on fait. Je ferai un petit sondage pour savoir sur quoi on va partir. C'est quoi l'auth HTML? C'est la création de l'authentification via un formulaire HTML. Je savais pas trop comment le nommer en vrai. Alors j'ai mis authentification HTML. Je voulais mettre HTML, mais ça passait pas quoi. JSON, c'est tu appelles un API slash login. HTML, c'est tu vas sur un formulaire, tu te connectes et après tu as le cookie qui est automatiquement setup et tu peux faire les appels à l'API. Et JWT, c'est le fameux JWT. Et on aura une autre authentification via clé d'API, je pensais. Et oui, après le JWT, il y a la partie refresh qui n'a pas été mise dedans. J'essaie de ne pas faire des vidéos trop 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 longues, parce que je sais qu'au bout de 50 minutes, Romain a vu les stats, déjà au bout de 3 minutes, les gens quittent, alors si en plus ça dure 50 minutes. De toute façon, il n'y a que le premier chapitre que les gens vont regarder. maintenant, pour mon problème, en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'essaie de mettre un chapitre dans une formation, par exemple ici, je fais 1900. C'est le chapitre sur Symfony UX. Lorsque je clique sur envoyer, bah ça marche pas. Est-ce que je vais parler de l'OAuth 2? Je comptais pas en parler parce que concrètement, enfin, tu connais beaucoup d'applis qui ont besoin de l'OAuth 2 en termes d'API? Voilà, donc là j'ai cette erreur-là et j'aimerais bien la comprendre. Voilà. Alors, si je vais dans Network, je vais retaper 1900 ici. Déjà, ce qui m'étonne, c'est que je me tape une erreur là, une 404. Et on voit que je fais content slash 0 slash title. Donc, c'est un peu bizarre ce 0 là. Donc, il doit y avoir un petit souci à ce niveau-là. Alors, je vais regarder où est-ce que j'ai fait les choses. Donc, on va aller. J'en connais quelques-unes. En fait, si toi tu veux mettre en place l'autre, c'est vrai que c'est un peu relou. Merci nos arachis, merci, merci. Deviens moi, GG. Ouais, c'est codé n'importe comment ce back office. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais c'est ni fait ni à faire quoi. Alors, à mon avis, donc ça va être, on a un truc qui s'appelait sommaire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il va chercher ces trucs-là? Ok, je suis bien dans mon code source, ouais. Alors, la question à 1 milliard de dollars, c'est comment j'ai appelé ce truc-là? Admin Chapters Editor. Ce qu'on va chercher, en fait, c'est ce qui gère le title, en fait. Donc, on va chercher là, dans admin slash title. Ou title juste. Ah, m'oblige pas à inspecter le code, quoi. Allez, on va inspecter le code. On a vu le slash 0, ouais, c'était la partie replace. Donc il est possible effectivement que ça soit. Je vais regarder en fait, je vais regarder le champ.
On a donc notre. Normalement, ça doit être un text area qui se situe juste ici. Et ce text area, il a un attribut is sur lequel va se brancher l'éditeur. Et là, on a une URL avec slash 0 slash title. En fait, j'avais convenu que 0 allait être utilisé pour remplacer par le course ID. Le problème qu'on a, c'est que du coup, je ne récupère pas correctement le course ID à ce niveau-là. On construit un élément représentant un cours. Ah, punaise. Ah ouais, là, c'est la seule fois où j'ai choisi de ne pas utiliser de JSX, quoi. Merde. Le pire, quoi. Je me souviens de ce bordel-là. Donc, l'idée, c'est de détecter quand est-ce qu'on va appuyer sur le bouton pour ajouter quelque chose. Donc, c'est lorsqu'on soumet ce petit formulaire-là. Donc, il faut retrouver cette partie-là. Je pense que c'était ça. Voilà, c'est quand je veux rajouter un chapitre. Bouton d'ajout de contenu. C'est possible de zoomer la console. Ouais. Touf, touf, touf. Et c'est bon, j'ai trouvé comment faire ça là. Voilà. On pourra zoomer. Je pourrais enfin zoomer sur mes tutos. C'est un truc, je l'ai mis sur mon .dotfile, c'est RXVT, font size et compagnie. Alors, donc quand je fais ça, callback, voilà, là, j'aurais mis, là, vous voyez, typiquement, c'est le bordel. C'est le bordel. Alors, j'ai add course où j'essaie de rajouter un cours. Ajoute un cours. Bah, techniquement, j'aurais tendance à penser que c'est là. Donc, on va faire un console.log de value et de li pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Donc, voilà. Comme d'habitude, hein, le code, quand on n'est pas prêt, c'est un petit peu difficile. Enfin, quand on se souvient plus ou on essaie de remonter. Donc, on voit bien que le 1900 est bien passé là. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, le endpoint, je fais un vis.getAttributeEndpoint et je replace le 2.id par la valeur. Si tu veux, ce que je ferais bien du coup, c'est que je loggerais bien ce truc-là. Ce que je pourrais faire aussi, c'est mettre un debugger pour mettre un point d'arrêt et carrément avoir les choses. Mais là, bon, partie pour partie, on va continuer comme ça. Donc je rentre 1900, on a une erreur. Et dans ma partie console, je vois que j'ai admin slash content slash title. Donc effectivement, je sais pas pourquoi j'ai foutu un replace ici, si ça n'a pas de sens. Ici, c'est 0. Voilà. Donc on va regarder s'il y a d'autres endroits où j'ai mis ID, mais apparemment non. En fait, la question c'est à un moment donné, ça a bien marché ce code-là, c'est ça qui est bizarre. Donc là, je mets 1900, j'appuie sur Entrée, et j'ai toujours une erreur. Donc je vais actualiser la page, je retape 1900, j'appuie sur Entrée, et voilà, le tuto a bien été rajouté. Ok, donc ça c'est un petit bug facilement corrigeable. Je vais regarder sur Trello, j'en ai créé, j'en ai trouvé une bonne série, quoi. Bah du coup, pour te répondre, Jérémy, ouais, effectivement, je vais réfléchir pour mettre l'OAuth 2. Si je dois le mettre en place, il faut sûrement que je fasse un live pour essayer de m'entraîner à le créer. Parce que concrètement, je ne l'ai pas mis en place. J'ai vu qu'ils en parlaient sur la doc, mais à aucun moment, tu vois, ils en font mention. C'est trop bizarre. Si je vais sur API Platform, tu vois, je cherche OAuth. Là, ils te parlent de l'OAuth à ce niveau-là, donc ils disent si tu as implémenté l'OAuth, tu peux le documenter. Je fais ok, sympa, mais bon. Et après, quand tu cherches, on te dit ouais, ben, il y a l'OAuth support. Je crois que c'est quelque. Voilà, ça supporte l'OAuth. Et quand tu cliques, tu aurais ramené là en fait. Mais on te dit pas qu'est-ce qui fait que ça fonctionne en fait. Moi, j'ai pas trouvé de mention au fonctionnement de l'OAuth. Ça m'a étonné en fait. Même les JWT, finalement, c'est pas API Platform qui le gère, c'est Lexic qui fait que ça marche. Donc, à un moment donné, après, ils en parlent dans leur exemple. Je crois que c'est à ce niveau-là. Ils te disent, ben, il y a un exemple quelque part. Et quand tu regardes l'exemple, j'ai pas trouvé un package OAuth. C'est pas API Platform de le gérer. Ouais, mais alors c'est bizarre de dire que tu supportes ces processus-là. Parce que dans ce cas-là, tu vois, on pourra dire React, ça supporte le routeur et tout ça, mais il suffit d'utiliser une librairie. En fait, c'est la terminologie et le fait qu'ils le mentionnent dans la doc et que c'est pas. Bref, donc il faudra que je re-regarde effectivement s'il y a besoin de mettre ça en place. Puis même quand j'ai regardé le code source, s'il y avait juste des tokens JWT, alors enfin, ils ont.
Le truc, c'est qu'ils connaissent bien tout et ça m'étonne qu'ils fassent un mix entre JWT et what. Donc ça, enfin, je sais pas. Bref. Ok, donc là, on a corrigé ce micro-bug. Je vais regarder les autres. Alors, j'en ai un autre qui est un peu plus chiant, lui. C'est que j'arrivais pas dans la formation donc API plateforme. Je voulais préciser que la technologie secondaire, donc c'est une technologie qui est présente mais qui n'est pas forcément utilisée, on avait, c'était une formation. On avait API Platform, par exemple, et on avait aussi Symfony. Donc j'avais mis Symfony dans les technologies secondaires. Je crois que je l'ai fait pour les tutos. Je vais vérifier. Je clique sur sauvegarder. Je reviens dans débugger son code avec JavaScript. Là, c'est bon. Je vais dans les tutos. Je vais dans découverte de Symfony UX. Je vais mettre ici PHP, par exemple. Je sauvegarde. Je reviens sur découverte de Symfony UX. Ah ben là, ça marche. Alors peut-être c'est quand je clone, je vais tester ça. Je vais cloner ce tuto-là. Alors d'ailleurs, mon clonage, il a un petit problème. Je ne sais pas si j'avais un clone. Ben j'ai un course cloneur impeccable. Quand je clone un cours, j'ai bien envie ici de rajouter en fait une journée. Comment on rajoute des trucs? Add. Putain, je sais plus à rajouter. DateTime, comment on rajoute des trucs à un DateTime? Add one day, DateTime. Ouais, mais ça, c'est quoi ça? Ah putain, c'est une interface. Fuck. Ouais, mais c'est un DateTime interface. Du coup, je vais être un petit peu emmerdé. Parce qu'en fait, ça peut être soit un datetime, soit un datetime immutable, et je pense pas qu'on ait une méthode modify. Et c'est pour ça que ça me bloque. Non, c'est un objet de type datetime interface, donc une interface de PHP. Oh, et le problème, c'est que si je change ça maintenant, ça va être foutre un bordel. Bah, j'ai qu'à, en fait, je m'emmerde pour rien. J'ai qu'à récupérer le timestamp en faisant getDateTime, getCreatedAt, getTimestamp. Voilà. Et à partir de ça, je vais créer un new datetime de ce truc-là. Donc là, on mettra. Je sais pas si ça fonctionne. Je sais pas, y a moyen de. Ouais. En fait, je me demande si tu peux écrire arrobase, ça s'écrit. Je mélange tout avec le JS, quoi. Si tu mets arrobase, je crois que ça permet de récupérer une date, mais je sais pas s'il supporterait un arrobase plus un truc du genre plus one day, tu vois. Le mec a envie de tout tester, tu sais. Hop. Est-ce que ça, il va l'accepter? Probabilité que ça arrive 0%. Alors, on va tester ça. Donc, je vais prendre mon tuto. Donc celui qui a à la fois ici la découverte de Symfony avec Symfony et PHP. Je vais cliquer sur dupliquer. Il a mis le 8 avril 2012. 2021 plutôt. Donc, et là, on était au 7 avril. Bah, ça fonctionne en fait. Donc tu peux faire ça. On découvre des choses, hein. Le seul petit problème, c'est que. Ça là, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'il doit. Pourquoi pas modify? Parce que getCreatedAt, ça renvoie à une datetime interface qui n'a pas dans l'interface la méthode modify. Donc je ne sais pas à l'avance si j'ai accès à cette méthode-là. Donc je ne peux pas l'utiliser. Est-ce qu'il faudrait pas lui dire ici que c'est un UTC? Nul time time zone. Jamais travaillé avec cet objet. Ok, en fait, je pense que le problème, c'est que mes dates, elles doivent être déjà. Oh, c'est l'enfer, ça. Elles doivent être déjà être configurées. Donc, on va faire un new date time zone et on va lui dire que c'est ça. Hop, voilà. Ouais, c'est un petit peu le bordel. Oui, je n'en suis pas fier. Donc on réactualise le clonage.
fait, mon but, c'est d'avoir 14 heures ici. On me dit unknown or bad time zone. Ben oui, c'est censé être une chaîne de caractères, donc tu m'étonnes qu'il plante. Est-ce qu'on peut par hasard lui passer un int? J'ai jamais travaillé avec les time zones en vrai. Enfin, à force d'utiliser des frameworks qui gèrent ça pour moi. Ouais, ben ouais. Comment tu initialises un that time zone du coup? New moins. Ouais, d'accord, ok, il attend une chaîne, alors je pense que je vais lui mettre UTC et tout se passera bien, quoi. Je trouve votre site fluide et satisfaisant à naviguer sur mobile. Merci, c'était l'objectif. 12 heures. Ah non, du coup, notre date, elle n'est pas à la bonne, à la bonne. C'est quand même bizarre, non? C'est quand même bizarre, du coup. Mais non, je suis bête. Tu te sens vieux quand on te dit vous? Non, ça dépend, c'est que les gens sont polis, je sais pas. Je sais. Hop. Monsieur, par contre, monsieur, ça fait un coup de vieux. Ou genre, ah ouais, j'ai regardé tes tutos quand j'ai commencé le dev. Et le mec, il a commencé le dev il y a 10 ans, tu vois. Ça fait mal. Putain. Donc là, en fait, je vais juste utiliser la time zone précédente pour récupérer la time zone et... Ah, mais ça me fait péter un boulon, quoi. Ou c'est peut-être mon plus one day qui marche pas, hein. Attendez, là je commence à paniquer là. Je commence à mettre en doute ma capacité à comprendre les time zones. Parce que normalement, je ne comprends pas. Je vais réactualiser, on va voir ça. Là, on a quelque chose qui a l'Europe de pa... enfin, qui a l'Europe Paris. D'accord. Et si je rajoute techniquement ça là, ça devrait toujours me donner la bonne chose. On va dumper plutôt. Votre Majesté, j'ai la formule de politesse trop hardcore, quoi. Essaye sans le plus one day. Ouais. Je vais d'abord, j'aurais essayé tel quel. Voilà, bon gros noob. Hop. Donc, comme quoi, peu importe l'expérience que vous avez, vous pouvez planter sur des problèmes vraiment basiques. On voit bien qu'il rajoute un jour, mais effectivement, on a perdu le plus 2 là. On a perdu la time zone. Il y a quelque chose qui m'étonne, je comprends pas pourquoi on perd la time zone. Mais oui, je suis con, c'est moi qui mets. Non! Tu vois, je lui passe en second paramètre une time zone, qui est la time zone que j'ai. De toute façon, quand tu passes un timestamp, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, ce qu'on va faire, c'est effectivement ce que suggérait quelqu'un, c'est tu enlèves ça et tu fais ça. Comme ça, au moins, on n'a pas de problème et je fais ça. Donc là, j'ai créé juste un datetime qui contient bah, la même date que le tuto original, mais en utilisant un timestamp. Et on voit qu'il met toujours le... Ah oui, et par contre, on va laisser ce truc-là à ce niveau-là et on va enlever le one day. Voilà, pour voir si on obtient bien ce que l'on veut. Peut-être c'est mon arrobase que j'ai pas bien interprété. Donc là, il met le 7 avril à 12 h. Donc on a perdu 2 heures. Sur cette nouvelle date, on a le fuseau qui est à 0,0. Alors la question, c'est est-ce qu'une fois que tu as cette date-là, tu peux lui dire de faire un set time zone. Et dans ce cas-là, je veux changer la time zone maintenant en faisant un course get created at et en faisant un get time zone. Je pense que j'ai compris. Je vais vous expliquer ce que je pense avoir compris. Voilà, c'est ça. Et là, si je dump, j'ai à la bonne heure. Ouais, effectivement. En fait, le problème, c'est que je lui donne un datetime et je lui dis il est à l'heure de Paris. Et après, moi, à l'affichage, du coup, il va retrancher deux. Alors qu'il faut que je lui dise, vu que j'utilise un getTimestamp, ça va être quelque chose qui va être au fuseau UTC. Je ne sais pas s'il y a besoin de le préciser, mais on va le faire pour être sûr. Donc, je lui dis, c'est au format UTC. Comme ça, j'ai une date UTC. Et vu que mon interface travaille entièrement en fuseau Paris,
Je vais lui dire de définir la time zone une fois que j'ai défini la date en UTC, vu que je me suis basé sur un timestamp. Et je lui dis que le time zone à utiliser, c'est le time zone de mon get created at original. Alors, c'est peut-être moi qui fais n'importe quoi, mais là, j'ai vraiment pas le choix parce que, comme je disais, je travaille avec une interface qui n'a pas la méthode modify. Sinon, on utiliserait modify et le problème serait claqué en 2 secondes. Et là, ma solution, effectivement, elle est claquée au sol au passage. Mais au moins, elle va marcher parce qu'en fait, en général, quand je publie les vidéos, je les publie avec une journée d'intervalle et des fois, j'oublie de changer cette valeur-là. Donc, je me dis que c'est le plus simple pour faire ça automatiquement. L'autre problème, c'est que les technologies ont été fusionnées ici et c'est ça le problème que je voulais corriger à la base. Le truc, c'est qu'un timestamp n'a pas de time zone. Ouais, mais apparemment, quand je l'initialise, il faut du coup lui dire que c'est dans la time zone UTC. Parce que ça n'a pas de time zone, effectivement. Enfin, techniquement, c'est la time zone UTC, quoi. En fait, moi, je m'attendais à ce que si je lui dis, tiens, voilà le timestamp, est-ce que tu peux me donner avec la time zone Paris? Il m'aurait donné 14 heures à l'heure de Paris. Mais en fait, non. Et ça rejoint un truc, c'est ce que je disais avec le côté langage qui fait des surprises. Mais ça, c'est typiquement une surprise que tu peux avoir et qui peut engendrer des bugs et qu'il faudrait tester de manière unitaire pour éviter les bugs. Mais voilà, c'est typiquement le genre de choses qu'on n'aime pas forcément avoir dans un langage particulier. Alors maintenant, on a... Ok. Donc le souci qu'on a, c'est que les technologies sont apparemment pas synchronisées convenablement. Donc je pense qu'il y a un souci avec les utilisations de technologies. Donc on a une première technologie qui est secondaire et une technologie qui est primaire. Normalement, elles sont bonnes. Et ces technologies-là, je les parcours et je les clone en les ajoutant avec le add technology usage. Et normalement, ben, ça devrait fonctionner. Hein. Et ça devrait les mettre dans 2 catégories différentes. Je pense que le problème, c'est que du coup, dans sa manière de récupérer ensuite les get main, il devrait faire ça. Je sais pas, c'est quand même chelou. En créant ton objet DateTime en lui disant un time zone, tu fournis un time zone. Et donc, il interprète ce timestamp en partant du 1er janvier de la time zone indiquée. D'accord. Bah, super, merci pour la précision. Et salut à toi, Uralrex. Ok. Ouais, c'est complètement con. À quel moment tu aurais besoin de faire ça? Un timestamp, on est d'accord que c'est toujours à... Enfin, normalement, c'est à UTC, quoi. Il est trop chiant ton pseudo, mais ouais. C'est bizarre. Sync technologie, ça fait quoi? Synchronise les technologies à partir d'un tableau de technologies avec des valeurs de la version et de secondary hydraté. Ouais, je t'avouerai que j'ai du mal à comprendre ce que je fais exactement ici. Là, on va déder le clone et on va voir de quoi il en retourne. En fait, le problème, c'est que les technologies ne semblent pas isolées convenablement. Donc, on va regarder si dans les technologies usage, ici, on a bien les bonnes informations. On voit qu'on a un élément de taille 2, effectivement, avec un qui est secondaire et l'autre qui est secondary aussi à false. C'est là où il y a un problème. Parce que juste avant, on a vu que un peu plus haut, les technologies que l'on avait, donc si on prend les technologies originales, ici, ces technologies-là, on avait la deuxième qui avait un secondary à false. Ah ben non, elles ont changé, on dirait. C'est bizarre, ça. Alors ça, c'est vraiment étrange. Parce qu'il y en a une qui est principale et pas l'autre, normalement. Alors peut-être quand je les débug... Vous voyez, celle-là, elle est en secondary true. Et ouais, donc là, tu vois, tu me conseilles de ne pas mettre UTC, on est d'accord. Hein. Donc, il y a quelque chose qui vient modifier les trucs. Je pense pas que ça soit le sync. On va débugger après.
pense pas que ce soit le sync en vrai. Ah bah non, c'est le sync qui pète tout. Alors, courante égale vis, on commence par synchroniser les usages. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? À quoi sert le sync en fait? Qu'est-ce que j'ai voulu faire quand j'ai écrit ce code-là? La question à 1 million de dollars. Est-ce que j'ai pas moyen de... Ouais, de l'air. En fait, j'aimerais bien reset les technos, quoi. Donc on ajoute les nouveaux usages. Alors, on trouve les technologies qui sont déjà. Pour chaque technologie, on définit la version. C'est là où je comprends pas ce que je fais là. Pourquoi je tape la technologie pour récupérer les informations? Ah, c'est là où j'ai secondary à false. Ce qui est logique en fait, parce que dans la technologie, on n'a pas ces informations. Et là, j'ai secondary à false. Alors que là, secondary. Le mystère. Le mystère CPC. Quel enfer. Ce truc-là, les relations. Moi, je trouve que le doctrine et l'ORM gèrent très mal les relations de type many to many avec une relation au centre. Donc là, par exemple, on va voir que dans technologie, on va avoir content qui sera pas bon. On a effectivement secondary à false, alors que là, on a secondary à true. PHP n'est pas un langage sexy. Toi, tu utilises quoi comme langage? Enfin, tu préfères quoi plutôt? J'aurais presque envie de vider les choses en fait. Il n'y a pas eu grand changement avec la nouvelle version de Doctrine. Non, non, ça reste vraiment la même philosophie. En fait, le truc, c'est que c'est. Le truc est un peu particulier, en fait, c'est vraiment le fait qu'ils aient un repository qui contient toutes les entités que tu as récupérées. Ça, c'est super chelou. J'utilise du JS et du TypeScript. Ouais, en même temps, le TypeScript, c'est vraiment sexy comme langage. Je te dirais pas le contraire pour le coup. Ouais, alors là, je suis emmerdé avec mon truc là. Ça m'aide pas. Concrètement, je pense que j'essaie de détacher un truc alors que ça n'a pas de sens. En fait, le problème qu'il y a, c'est que j'aimerais bien vider les technologies et j'avais fait ça pour que lui, automatiquement, il aille créer les nouvelles instances de technologie usage ou qu'il modifie les existantes. Le truc, c'est que... C'est que c'est pas bon. Du coup, là, faudrait faire un... En fait, le problème, c'est que j'ai pas de setter pour faire ça. Et si je crée un setter, j'ai potentiellement la possibilité de venir faire des bêtises après. Et c'est ça que j'aime pas en fait. Mais je pense que je vais devoir me résoudre à le faire. Ça là, je vais créer un setter. J'aime vraiment pas cette idée. En fait, le problème du setter, c'est que ça va permettre. On va l'appeler plutôt reset technologie usage. C'est même pas ce que je veux faire, quoi. J'ai un viewer qui m'a dit que tu avais probablement travaillé pour Quant. C'est vrai? Ouais. J'ai fait 6 mois pour eux. Enfin, un peu plus, mais je sais plus. Mais j'ai travaillé jusqu'à... Ben, 1er avril. Je suis pour eux. Pour la nouvelle version.
Bon, je tourne le problème dans tous les sens, mais... j'ai travaillé du coup sur le front. J'espère que ça t'a pas rendu trop dépressif de bosser pour eux. Pourquoi? Dans quel sens? Franchement, c'était plutôt cool comme mission. L'équipe était super cool. La techno était super cool. On a pu explorer des trucs vraiment pas mal. On a recodé, on a recodé un next à la main. On a eu plein de problématiques intéressantes. Franchement, c'était cool. Ils avaient des histoires de management agressif. Oh. Bon, de toute façon, en distance, c'est difficile. Mais non, non, ça allait, franchement. Après, je sais pas, mais l'équipe avait l'air cool. Alors, le problème, c'est que je clone un objet. Et cet objet, en fait, il a déjà une propriété qui s'appelle technologie usage, qui est remplie d'un tableau avec des relations. Et le problème, c'est que vu que je crée un clone, ben, je ne veux pas récupérer ces informations-là. Donc le problème, c'est qu'en fait, ça vient du fait que je clone, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Et peut-être une autre solution serait de ne pas cloner, tout simplement. Et d'aller mettre manuellement les choses. Je suis en train de réfléchir à ça. Comment s'est passée ta toute première mission? Bah plutôt tranquillou en fait. Moi, j'ai ma première mission, je crois que ça. Alors, on va dire la première mission pro. C'était un DUT, je pense. C'était un vignoble qui avait besoin de refaire un site web. Et le prof, il m'a dit, hey, tu t'as l'air de savoir faire des sites web, ça te dirait de le faire. Et du coup, j'ai fait ça. Et j'ai fait ça en flash et tout. Et le client était super content. Et moi, j'étais super content de travailler pour des vrais trucs. Donc, c'était cool. Bon, j'ai tourné le problème dans tous les sens et je pense que malheureusement, le souci, c'est le clonage. Comme quoi, il ne faut pas cloner les trucs. Donc je serais tenté d'aller créer un nouveau cours et de manuellement venir cloner les trucs. Donc le clone, on va lui dire, l'original, je l'ai là-haut, hein. Donc on va faire manuellement tous les 7 heures. Donc je fais un set title et je définis que c'est le cours original et je récupère le title. Et on va faire ça pour l'ensemble des trucs. Le set slug, c'est pourri. Alors l'autre solution serait de ne pas le faire et de faire un normaliseur et d'envoyer les données. Mais je pense qu'au final, enfin, c'est très chiant et je vais passer un peu de temps à le faire là et au moins ça sera fait une bonne fois pour toutes. J'utilise pas Easy Admin pour le bac, j'utilise GraphiCart Admin. Avec le framework CSS, GraphiCart Admin. Ouais. Set user. Je crois que tout s'appelle auteur dans mon truc parce qu'il y avait un problème avec le mot-clé. Ça, c'est chiant, ça d'ailleurs. Il y avait un problème avec le mot-clé user dans PostgreSQL. Donc la date, c'est bon. Ensuite, on fait le set image. Et on va faire un course get image. Voilà. Ensuite, on va faire le set. Comme ça, au moins, en fait, je pars avec un objet qui est vide et qui n'est pas rattaché à tout le reste. Et je m'évite quand même pas mal de soucis, je pense. Ouais, le online, on va récupérer le get online. La flèche, c'est quand tu accèdes à une propriété d'un objet. On peut télécharger le package. Ah, c'est pas un package, c'est très intégré dans mon truc, quoi. Pourquoi ne pas supprimer juste les attributs qui ne t'intéressent pas sur ton clone? Ben, je ne peux pas les supprimer. En fait, j'ai pas de moyen de le supprimer. C'est ça le problème. Donc set online. Et en fait, j'ai pas envie de modifier comment ça s'appelle? La. Bon, ça va rester à nul pour le coup. Donc du coup, ça on n'a pas besoin de le faire. Ça on n'a pas besoin de le faire. Ça on n'a pas besoin de le faire. Ça va toujours être le created at. Les usages, j'ai cloné les technologies usage. Alors, ouais, après ça, je regarderai ça. La vidéo, on va la cloner aussi. Et en fait,
Le problème, c'est que voilà, ça me fait bouger les signatures et l'ajout d'une méthode a quand même un impact sur le code et j'ai pas envie d'avoir cet impact-là. Donc c'est pour ça que je choisis de faire manuellement les choses. Après, il serait clairement possible d'aller créer un normaliseur pour faire ça un peu plus proprement. Mais je me dis, ça va créer trois classes pour un truc dont j'ai besoin qu'une seule fois. Vous avez vu la maquette CSS du gouvernement? What? Qu'est-ce que tu en racontes? La miniature, je pense que ça va être une vieille blague. Je vois pas, je vois pas d'autres trucs. Ah, tu veux dire le design système du gouvernement? Putain, ils ont un design système. Attends, j'ouvre ça. C'est une nouvelle UI. Ah, ce serait énorme d'avoir un framework CSS français. Putain, en vrai, c'est propre, hein. Ah, merde, réinitialiser. En fait, si on se calque par exemple sur l'appli Stop Covid, l'appli elle est vraiment propre, je trouve. Et là, rien qu'à vue de nez, là, ça c'est propre. Je ne sais pas si on peut cliquer sur autre chose. Comment l'utiliser? Est-ce que tu as le droit de l'utiliser? Ah, ils ont fait beaucoup, beaucoup d'écriture et tout, c'est cool. Après, punaise, de lancer ça sur tous les trucs, ça va être quelle galère. Il faut tout changer, il faut changer tous les sites. Bon, le dépressif, on s'en fout. Et on arrive à la description. Donc, c'était npm install. Après, tu feras git push impo, tiret tiret force, get content. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bonne soirée à toi, Uralrex. Mais là, je pense qu'on est bon. Et alors après, on s'attend. Alors, c'était là où il manquait la partie synchronisation. Ah, du premier coup, t'as vu? Hop, hop, hop. Et là, je pense que du coup, si je fais ça, ça devrait régler le problème. Ben non, ça le réglera absolument pas. Quel con. Tous les points couvrent avec le même UI. Ouais, je pense que c'est pour les inter tu sais, les interfaces de l'administration, tu t'en fous qu'elles soient. Tu dis pas, punaise, je veux que mon interface de impôt, elle ait un design spécifique, quoi. Si ça peut faire économiser, au moins que tu t'y retrouves un peu pareil partout, c'est pas mal. Hein. Car du coup, avec un unset de machin ma property, tu es censé pouvoir supprimer ce que tu veux dans ton clone et mettre ce dont tu as besoin. Ah ouais? On peut unset une propriété? Bon là, en tout cas, j'ai plus les usages, donc techniquement. Pire que tout. Oui, tu peux. Bah, vous m'apprenez plein de trucs là. Donc je me suis fait chier pour rien quoi, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Ouais, mais c'est pas propre. Là au moins c'est propre. C'est répétitif, mais c'est propre. Peut-être le niveau aussi. On va le cloner. Ah putain, ouais, non, 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 ouais, on va pas faire des trucs comme ça là, des overloads de machin. Je pense qu'en plus, ça va me péter au visage ce truc là. Mais ouais, je suis d'accord avec le. C'est dégueulasse le handset. Voilà, là au moins, effectivement, c'est lisible. Parfois, c'est du bon vieux procédural, ça fait le taf, et au moins, quand tu relis le code, tu comprends. Il y a juste peut-être, on va prendre un vieux tuto, on va prendre le tuto distance de Liefenstein et on va cloner ce tuto-là pour voir si je récupère les images. C'est ça que je voulais me poser comme question. Donc je récupère bien les images. Ok. La durée, on est bon. Tout
tout est bon, hein, on récupère bien toutes les informations, la date de publication. Je pense qu'en vrai, c'est peut-être le titre qu'il faudrait pas que je conserve entre les deux. Pour pas m'induire en erreur. Donc là, on va laisser le titre vide. Voilà, c'est l'avantage, au moins je peux me retirer certains champs. Je viens d'arriver par moyen de tout mettre dans un clone. Non, en fait, le problème, c'est que je veux pas copier certaines propriétés et je n'ai pas des setters pour défaire l'effet du clone, en fait. Donc c'est pour ça que je suis obligé de faire ça. Ou tu rajoutes un copy. Ouais, mais du coup, ça veut dire que quand je vais faire ça, je vais devoir aller. Tu vois, là, en fait, par exemple, j'ai un premier tuto qui s'appelle Data Persister. J'ai API-platform persister. Enfin, le précédent, c'était peut-être provider. Donc, je préfère me dire le titre est vide. Ça reste comme ça, je peux le changer. Tout le reste ne bouge pas. Et on est bon. Voilà. Alors, je vais faire des petits commits. Donc, on a un petit commit qui est fixe éditeur de chapitre. Ah, j'ai signé mes commits, j'ai commencé à faire ça. Apparemment, on peut sur Git, donc ça devrait apparaître comme signé au niveau de mon truc. Et là, on va faire un make lint and make format, juste pour être sûr. D'ailleurs, si quelqu'un utilise PHP CS, je suis très curieux. J'ai l'impression qu'à certains lancements, il me donne ou refactoring différents, et c'est super chelou. Des fois, il m'inverse les nuls, des fois non. Je comprends pas trop pourquoi. Et du coup, je me retrouve parfois avec des commits qui font une blend. Bon, là, il va pas le faire, mais des fois, il le fait et c'est chiant. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fixé le course cloner en clonant ça. Et dans content, on a mis ça, mais ça, non. Ça, on le veut pas, en fait. Voilà. Donc là, on va mettre fixe clonage des technologies. Commit. Voilà. Alors après un autre bug que j'ai remarqué, c'était que... Alors attendez, je passe sur ma liste. Les technologies secondaires ne fonctionnent pas sur les formations. C'est bon. Virer les tutoriels à venir du flux RSS. Ah ouais. Alors finalement, rétrospectivement, quand je poste une formation, je me dis que c'est un peu con de spammer le flux RSS avec des trucs qui n'ont pas de sens. Donc on va aller sur la partie front. Et on va aller... Ah, fuck. D'ailleurs, c'est fini les navigateurs, les flux RSS, ils connaissent plus quoi. Et là, on va mettre Symfony UX dans le futur, et l'idée, c'est de ne pas les ressortir. Alors, je vais vous poser un petit sondage sur ce que vous voulez qu'on fasse plus tard. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de le faire ce soir ou pas. Comment je perds mes boutons là? Il est où le bouton sondage? Merde, c'est où? Ajouter un sondage, voilà. Nouveau sondage. C'est on fait quoi après? On setup un tuto pour création. Ah ouais, tu t'as pas t'as... Franchement, je ne comprends pas la limite sur les labels des sondages au niveau de comment ça s'appelle? De Twitch. Genre, il n'y a pas le budget pour qu'on ait plus de 10 lettres. C'est un enfer, quoi. Voilà. Et pour rendre à César ce qui appartient à César, c'est Romain qui m'a donné envie de tester comme ça Rust en live. J'ai vu, lui, il a testé Go. En râlant un petit peu, ça m'a rappelé moi, en disant que ah ben ça c'est mieux dans Rust, ça c'est mieux dans Rust. Alors du coup je me suis dit, moi j'ai bien aimé Go, pour le coup, j'avais déjà été séduit par Go. Et je me dis si Rust c'est mieux et que j'ai bien aimé Go, je devrais encore mieux aimer Rust. Du coup voilà, je me dis que ça peut être intéressant de faire ça en live et faire une petite découverte pour râler et dire que c'est pas bien. Non, en vrai c'est pour... Je ne demande qu'être séduit. Après, lui, il a commencé par la mauvaise doc, alors forcément, ça a été un peu difficile en vrai. Il a commencé par une doc que je l'avais jamais vue sur Go, un truc qui commence mais vraiment à l'envers total. C'était pas facile, hein, c'était pas évident.
genre ça. C'est comme si tu commençais, tu voulais apprendre le JavaScript et que la premier truc que tu ouvres, c'est comment publier un module sur NPM, tu vois. Tu fais what the fuck? Et ça te sort déjà des trucs que tu es censé connaître ou tu sais, des langages, enfin n'importe quoi. On ne pourrait pas discuter de l'intérêt de chaque framework JS parce que j'aimerais bien tenter, mais je ne sais pas par lequel commencer pour du web. Ça dépend ce que tu veux faire. Dis-moi entre quoi et quoi tu hésites, peut-être je pourrais te guider. Alors, dans mon flux, là, si je réactualise, j'ai toujours Symfony UX alors que je ne devrais pas l'avoir. Donc, on va chercher le feed contrôleur. Alors, j'ai dû l'appeler RSS contrôleur. Et là, on a le find la test. Alors, ce find la test, est-ce qu'il est utilisé par autre chose? Ouais. Alors, lui, par contre, il faut faire gaffe, il est utilisé par d'autres trucs. Donc, là, on va mettre find la test. Published. Published. L'idée, ça va être de partir du find la test classique. Donc, on va retourner un this find la test. Voilà. On lui passera la limite et on rajoutera une condition and where. Et on lui demandera que c. Ok, donc là, j'ai freeze, c'est ça? Ok, on va attendre que les caractères s'affichent à l'écran. Hein. What the fuck? Ok. Tu sais, c'est le clavier fantôme. Et on mettra que c.createdAt devra être inférieur à no. On réactualise. Je crois que no n'existait pas, hein, si mes souvenirs sont bons. Le 21 avril, on est le 13. Ah oui, non, je suis con. Et là, maintenant, dans mon RSS contrôleur, je peux utiliser ma nouvelle méthode find la test publish. Je réactualise. Et on a bien le tuto Symfony UX qui a disparu. Le problème, c'est que je peux en profiter d'ailleurs pour lui dire, plutôt que de faire un itérable query, je vais créer une query classique ici. Parce que concrètement, j'ai pas besoin de. Comment a fonctionné l'itérable query? Je crois que c'était un truc qui était utile si je voulais récupérer que le premier résultat. Hein. Ouais, quoique, tu sais quoi, on va garder le. Ça me gêne d'utiliser cette classe-là parce qu'elle ne sert pas à grand-chose, mais. Voilà, donc là, on va mettre qu'on a fixe le flux. Alors là, soit je l'appelle published. C'est les tutos qui sont publiés, soit je l'appelle free, ce sont les tutos qui peuvent être consultés gratuitement. Comment vous la nommeriez-vous? Ah, par contre, pour travailler avec Rust, vous conseillez quoi comme langage? Comme langage. Vous conseillez quoi comme outil? Il n'y a pas un outil de JetBrains? Ah, t'as un plugin. À tous les coups, je ne vais pas pouvoir y accéder parce que j'ai PHP Storm du Paris. Ah, déjà, si l'IDE, c'est une galère, ça va pas le faire, quoi. Je vais juste cacher mon écran temporairement. Pas trop tard.
Ouais, ils ont pas genre un Ruby Mine, mais un Rust Mine ou un genre de truc. J'allais cacher mon écran pour éviter d'afficher mes infos, mais ça va, il affiche rien. Ok, donc là on est bon. Ok, on va mettre flux fixe, masquage des tutoriels à venir sur RSS. VS Code, c'est bon. Ouais, mais c'est juste, j'aurais préféré être sur un éditeur familier en vrai. Mais ok, on va partir sur VS Code. Je commit ça et on est parti. Donc au passage, les résultats du sondage sont comme suivi. 68% ont demandé de jouer avec de la rouille et sinon, les gens, le reste, demandaient le tuto agenda. C'est vrai que je vous ai pas mis le vote blanc. Désolé, j'ai pas compté le vote blanc. IntelliJ Rust. Rust plugin for IntelliJ based IDEs. Ah, c'est based IDE. Donc techniquement, je dois pouvoir faire Ctrl Alt S, aller dans les plugins. Et dans les plugins, je dois pouvoir rajouter Rust. Rust. JetBrain SRO, c'est ça? Install. JetBrain SRO. Pourquoi là j'ai le logo officiel et là j'ai un joli logo? J'installe. The Rust plugin require TOML. Ouais, vas-y, hein, j'ai pas vraiment le choix, hein. Ok, ça va synchroniser sur tous mes IDE, ça va être l'enfer quoi. Ok, je restart. Ah d'accord, ok, ça restart violent de chez violent quoi. Alors, qu'est-ce que j'avais? J'ai viré les tutoriels à venir du flux RSS. Quand on clone un tutoriel, l'alerte online ne semble pas s'activer. Alors ça, c'est un autre bug que j'avais. C'est quand je crée un tuto, j'ai l'impression qu'il ne se met pas dans la. Ou même quand je le clone en fait. Si je lui donne un titre bidon, ici on va mettre n'importe quoi. Voilà, tout le reste est déjà fait. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment vraiment pratique. Vous savez pas le temps que ça me fait gagner quand je. L'image d'accueil d'IntelliJ. De PHP Storm, tu veux dire? Quand je l'ai lancé là, le splash screen. Donc je clique sur sauvegarder. Ah oui, par contre, on va le publier dans le futur. 22 avril, ouais, c'est dans le futur. Ah, moi, j'aime bien. L'ancienne, je n'aimais pas. Tu vas me déranger. Mais il faudrait que je trouve le nom de la fenêtre pour la mettre en flottante, surtout. Et là, dans mon dashboard, je m'attends à voir, et on voit que je ne l'ai pas, la notification pour. Il est parti où, mon éditeur, là? What the fuck? Il est où, mon PHP Storm? Ah, il est là. Il s'était caché. Ah non, non, Rust, c'est pas. On va utiliser un langage Rust, pas le jeu. Alors, qu'est-ce que je voulais changer? Ajouter. Impossible d'ajouter un tutoriel à une formation, ça c'est corrigé. Ok, alors quand on clone un tutoriel, l'alerte online devrait s'activer. Alors, si je me souviens bien, on avait créé un événement pour notifier les trucs. Donc, on va chercher qui est abonné au updated course. Ah, ça va être content event. Ah non, non, Rust, moi je l'ai acheté au tout début du jeu. Et au début, c'était pas du tout le même jeu que ce que c'est maintenant. Et j'aimais la première version de Rust en fait. Et après, c'est devenu un truc super chelou de construction de base et de prise de base, j'ai l'impression. Et j'aime beaucoup moins. Puis le style graphique est dégueulasse. Alors là, pareil, on va galérer, mais il faut que je réfléchisse. Où est-ce que je l'aurais mis si j'étais moi, il y a 3 mois de cela?
Déjà 20h, Rust n'a pas commencé. Ben après, j'ai pas dit que je le ferais ce soir. Tu vois, on peut faire demain un live Rust. Je préfère corriger les bugs en premier, c'est quand même plus important. Donc là, on va aller dans notre domaine et on va aller dans notre infrastructure. Et on avait la partie notification. Donc c'est à mon avis ici. Si j'avais à m'écouter, je l'aurais mis là et là. Donc on voit que quand un contenu est mis à jour, ici, quand un tutoriel ou une formation passe en ligne, on envoie une notification globale. Le problème, en fait, c'est que techniquement, quand un contenu est créé aussi, on devrait le faire. Et le problème que j'ai avec tout ça, c'est que quand je mets offline hors ligne plutôt, faudrait que ça délète la notif. Mais ça, à la limite, je peux le faire moi-même. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est que je vais créer cette méthode onCreate. On va prendre tout ça. Et est-ce que, avant même de faire ça là, est-ce qu'on n'aurait pas un petit content subscriber test? Et est-ce qu'on ferait pas du TDD là? Ça faisait longtemps. Utilises-tu un design pattern particulier sur Graphicart? Alors je me suis déjà expliqué sur ça. Si tu vas sur le blog, ici, tu as ma structure Symfony et j'explique un petit peu ma philosophie et l'idée derrière ça. Concrètement, c'est un mélange de plein de trucs, du DDD, du clean architecture, mais il faut fait à l'arrache. En fait, tout est à l'arrache, c'est à ma sauce. J'ai pris ce que j'aimais à droite à gauche et je me suis fait mon truc. Et donc ça n'a pas de nom. C'est la graph architecture. Alors je te conseille pas de l'adopter à 100% comme je l'ai fait, parce qu'il y a des trucs qui sont pas bien pensés. Mais moi je m'y retrouve de temps en temps. Du coup c'est pas mal. Mais voilà, je pomme un peu les trucs, je sais pas où je les ai foutus, mais l'organisation je la trouve quand même bien mise en place. Enfin, il n'y a pas des trucs où je me dis punaise, faut que je recode quoi. Là, je me dis c'est bien, et quand je veux rajouter des comportements, j'arrive à le faire assez facilement, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Alors là, on va créer une fonction qui va tester. Alors, test notification sent when course become online. Donc on va faire ça. Ouais. Là, on va l'appeler test notification send when course is created. On va créer un cours. Voilà. On va pas faire de previews. On va faire un set online à true. Donc là, on va mettre un set online à true. Ce cours, on va le mettre dans le content created event. Donc je crois que cet événement, il a besoin que d'un paramètre, si je ne me trompe pas. Voilà. Ensuite, je crée un mock de NQ, mais ça, on s'en fout. Et je m'attends à ce que on ait envoyé la notification dans le channel à ce niveau-là. C'est onCreate. Voilà, donc là on va créer la méthode onCreate. D'ailleurs, on va pas mélanger les deux choses, on va mettre ces tests à la fin. Voilà. Donc là, on va créer cette méthode onCreate. Et pour l'instant, on va la mettre entièrement vide. Donc on va faire une fonction publique. Alors merci à la personne qui m'a dit pubf, ça marche, onCreate. Et là, on va mettre created event. Maintenant, je l'ai utilisé dans le tuto. D'ailleurs, pour ceux qui vont regarder la formation API Platform, je suis désolé d'avance, je dis simplement ou tout simplement un nombre effarant de fois. Et vu que j'ai enregistré toute une série de vidéos avant de faire la partie montage, je m'en suis rendu compte que maintenant. Et bon, j'essaierai de corriger le tir pour les prochains, mais j'ai beaucoup de mal, c'est un tic, un peu un tic. Et en fait, j'aime bien quand il y a des blancs liés. Je lis les phrases pour rien. Donc je dis donc, malgré, enfin, tous les trucs, même s'il n'y a pas besoin. Et ma nouvelle phrase de liaison à la mode, c'est tout simplement. Donc tout simplement, on va voir ça, tout simplement, et simplement, et simplement. Et je rajoute des simplement toutes les 2 secondes. Et c'est un enfer, quoi. Private, c'est prive, je crois. Prief. Enfin, dès que tu tapes, il te propose les trucs. Donc, tu vois, tu fais hop, hop, hop. Prive. Et là, il te propose ça. Voilà, t'as ces trois. Et j'ai créé CS pour le construct, le fameux construct que je tape à la main. Non, en plus, ce qui est horrible, c'est quand je m'entends le dire et que je sais que derrière, je vais lancer une explication qui est hyper pas facile, en fait. Je dis tout simplement et après, je modifie 300 lignes de PHP. Ça n'a pas de sens, quoi.
C'est très énervant, c'est très irritant en fait pour les personnes qui regardent, j'imagine. Donc là, ça ne corrige pas notre test. Donc on va bah, copier ce code là. Voilà. Alors, on avait dit, on récupère au niveau de l'événement notre content. Ok. Si le contenu est une instance de cours ou de formation et que le contenu est online, bah, on a juste à faire ça. Dans ce cas-là, on implose les technologies, on récupère le duration, on envoie le message. Ouais, il y a quand même une tonne de répétitions là. Si je sauvegarde, ça va permettre normalement au test de passer. Ok. Par contre, il faudrait peut-être tester la même chose. Si j'oubliais, hein, par hasard, j'oublie cette condition-là, au hasard, hein, évidemment, mon test, il passe au vert. Donc ça, c'est pas bon. Donc il faut tester que ça n'envoie pas de notification. Public test notification not sent. Not sent when course is offline. Donc je crée un cours, mais je le mets offline. Je fais le mock, je disable l'original. Pourquoi je m'emmerde à faire ça là? On a un mock là, on a create mock normalement. Ah, t'emmerde pas ça, c'est du très vieux code ça. Je peux vous dire que quand j'ai écrit ça, je devais être un jeune et insouciant et je savais pas que ça existait. Voilà, donc je crée mon mock et je m'attends à ce que la méthode elle soit jamais appelée, il faut pas qu'elle soit appelée. Ok, et là, ça plante. Ok. Là, on va créer une fonction privée, du coup. Ah. Voilà, et on va l'appeler notify course ou notify content. On va lui passer quelque chose qui va être une instance du. Ah, ça va être une instance de content, mais ça m'embête parce que je sais que c'est pas vraiment un contenu. Voilà, ça c'est pas ouf. Donc on va mettre une définition et on va lui dire que ça c'est pas vraiment un content, c'est soit course, soit formation. Voilà. J'ai un type un peu plus précis à ce niveau-là et on va déplacer tout ce code-là, paf, dedans, paf. Et là, on fera un this notify content. Et on enverra le contenu. Et je peux faire la même chose là-haut. Donc ça me fait économiser quand même pas mal de lignes. Et ça, on le fait que si on a un changement vers du online. Donc vous voyez, par exemple, ça c'est typiquement le truc que j'aime bien. C'est que ben, je sais, je modifie un listener et maintenant ça modifie le système de notification automatiquement, quoi. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? C'est important de dire hop 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 avant de taper. Ouais, ça c'est chiant ça aussi. C'est un peu l'équivalent, tu sais, des tennismen qui font leur oh quand ils tirent. Ben nous en développement, on fait hop hop hop, je fais ça, hop hop hop. Voilà, c'est notre cri de de codeur, quoi. Alors, quand un tutoriel est créé. En ligne. Allez, du coup. Ouais, mais du coup aussi, je le dis pas mal. Mais à chaque fois que vous me le signalez, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. J'y fais vraiment attention et j'essaie de corriger le tir. Le truc, c'est que bah, je m'en rends compte trop tard en général. Et c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Et tu t'en rends compte au montage, tu t'en rends pas compte quand tu le dis. Mais c'est vrai qu'au montage, ça saute aux yeux, quoi. Voilà, bon là on va juste faire ça, on appuie sur Entrée, on va passer à Rust si vous voulez bien. Comme ça on aura un petit peu une heure pour tester Rust. Alors je garantis pas qu'on arrive au bout, je vais prendre mon temps, je vais pas rusher le truc. Donc on fera sûrement un second live pour ça. Je vais juste faire un make lint and format. Et on est parti. J'ai viré aussi Travis CI de mon. T'arriveras pas au bout. Ah oui, non, c'est sûr, c'est pas en une heure que je vais faire le truc. Mais peut-être aussi. Ah, il a trouvé une erreur.
Notify content as not. Ah, oui, ok. C'est tout. Oui, bah. Petite notification, ça c'est chiant les applis mobiles que tu utilises jamais, qui t'envoient des notifs. Et je trouve que les notifications sur Android, c'est quand même la galère. Je comprends jamais où il faut aller pour les changer en fait. Parce qu'en fait, j'aimerais bien garder les notifications importantes, mais pas. Ouais, bon, on va faire ça. Hein. Hop. Autant il y a des trucs qui sont bien faits sur mobile, mais les systèmes d'alerte, je trouve que c'est quand même l'enfer. Mes parents ont vécu un an avec une notif hyper relou qui a sorti tout le temps, je sais plus quelle noti quelle appli y était, et parce qu'ils ont jamais su comment changer les choses, j'étais tellement mort de rire, et c'était un truc horrible. Et même moi, quand j'ai dû le faire, j'ai galéré, j'ai cherché pendant pas mal de temps. Je trouve ça trop chiant. Petit raccourci que je vous donne, Ctrl Alt O, ça optimise et ça enlève les choses qui ne sont pas utilisées normalement. Qu'est-ce que tu trouves bien sur mobile? Le système de permission. Même s'il est un peu pété, je trouve que ça serait bien d'avoir la même chose sur les systèmes d'exploitation. macOS a commencé à le faire, mais j'aimerais bien qu'une application, quand elle arrive, elle n'ait ni le droit d'accéder à Internet et elle n'ait le droit que d'écrire des fichiers dans un dossier particulier. Et elle ne peut pas lire les fichiers en dehors de ce dossier-là. Si elle veut faire autre chose, il faut qu'elle le demande. Et moi, j'irais même plus loin en lui disant, il faut qu'elle dise à quel nom de domaine elle veut se connecter. Et ou à quel protocole elle veut utiliser, si elle veut utiliser tous les noms de domaine, et donner un peu de détails. Alors le problème, c'est qu'en vrai, si on parle de protocole et nom de domaine, pour les utilisateurs lambda, ça n'a pas de sens, quoi. Si tu as une application qui dit bonjour, cette application veut accéder au protocole HTTP, les gens vont dire what? Mais du coup, accompagné peut-être d'un texte qui dirait pourquoi. Et ça, macOS le fait pas. Tu vois, j'ai une application, elle se lance, elle dit j'ai besoin d'accéder au dossier. Slash home. Elle me dit pas pourquoi elle en a besoin, tu vois. Alors peut-être qu'elle en a vraiment besoin pour un cas concret, mais si elle m'explique pas pourquoi, c'est pas ouf, quoi. Donc ça, j'aimerais bien. Mais un truc user-friendly, quoi. Un truc où tu coches décoches des cases. Et à mon avis, il n'y a pas 500 000 permissions, hein. T'as vite fait le tour. C'est fichier, réseau, webcam, et après les différents périphériques, quoi. Ah oui, un truc bien détaillé. Oui, mais la particularité de mon truc, c'est que l'application décrit pourquoi elle en a besoin. Comme ça, pour l'utilisateur lambda, bah, tu peux lui formuler dans un sens normal. Donc là, c'est fixe. Notification de courriel à la création. Après, voilà, le problème, c'est que macOS a commencé à le mettre en place. Assez bien d'ailleurs, dans le sens où ça te dit à quel fichier il essaie d'accéder, mais pas toutes les applis. Alors, je ne sais pas c'est quoi les règles. Mais par exemple, ce qui était rigolo, c'est que tu ouvres ton terminal, pas de souci. Tu fais un CD, tu vas dans un dossier, et là, tu as une alerte qui dit ah, gna, gna, le terminal, il veut accéder à ce dossier-là. Ce qui est logique. Mais du coup, en fait, effectivement, le problème de ce truc-là, il y avait l'UAC sur Windows aussi qui faisait un peu ça. Même si c'était plus général, c'était genre ouais, mais machin, il veut accéder à tout. Tu dis oui ou non. Et même ça gavait les gens. Donc j'ai peur que si tu fais un système un peu plus poussé, en vrai, les gens en auront marre et automatiseront le truc. Et un peu comme pour les cookies, ils feront oui tout le temps. Et c'est comme si t'avais rien, quoi. Ligne 65, un nom de la variable manque un E. Ligne 65? Ah non, oui, mais il manquait déjà un E avant, quoi, du coup. On s'en fout. Tu pourras faire une paire comme ça.
Voilà, c'est publié. Bon, ce que je vous propose, c'est de passer à Rust. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on part de rien. Je sais faire un peu de Go. J'ai des bases. Et on découvre. Alors, je mets à jour le titre du stream. Alors, pour la question à quoi ça sert? Ben, on va voir. Alors, je me donne un cas concret. Je vais vous le donner. C'est mon objectif. J'ai un petit objectif. C'est notre projet. Mon objectif, c'est de refaire SubSearch en Rust, du coup. Donc, SubSearch, qu'est-ce que c'est? C'est une petite appli. Tu lui donnes un nom de fichier et ça va te renvoyer la liste des sous-titres que tu peux télécharger. Et quand tu cliques, ça, enfin, quand tu cliques, quand tu appuies sur Entrée, ça télécharge le sous-titre qui correspond. Voilà, ça serait notre top truc si on arrive à le faire. Parce que ça permet d'apprendre le protocole HTTP, c'est un truc qui peut fonctionner dans le terminal, ça lit des fichiers et ce genre de trucs. Voilà, en vrai, tu le fais en Node.js, c'est plié en 2 secondes. Hein. Mais voilà, moi je veux me dire, comme ça je vais essayer ça. Voilà, alors c'est, je découvre Rust. On va mettre le langage Rust. Parce que sinon les gens ils vont se dire, hey, cool. Et on va mettre saison 1, épisode 1, et je pense qu'il y aura 6 saisons. Ok, on est parti. Alors, on a setup le plugin, tout ça, tout ça. On va aller sur Rust Lang. As-tu la Rust Playground si tu veux tester sans installer les trucs? Ouais, mais l'installation fait partie de l'expérience, à mon sens. Tu vois, Golang avec les Go modules et tout, c'était hyper galère. Si déjà un truc, c'est chiant à faire. Spoiler à la fin, il meurt. Je vais juste me garder un petit. Je suis content, j'ai l'impression qu'avec le formatage, la webcam, elle est de meilleure qualité. Ou après, c'est peut-être un effet placebo, mais. Alors, juste, je mets mon dépôt GitHub sur un coin de l'écran pour voir quand est-ce qu'il aura fini de faire la CI, l'intégration continue. Et qu'il aura validé que tout ce que j'ai fait là n'a pas explosé le code source du site. Voilà. Ok, on est parti. Alors, commencer. Bon, déjà, premier point très bon, le site est sympa. Il y a des couleurs. Ça fait pas aussi flipper que Go. Et le bouton commencer, il est gros et on ne peut pas le louper. Très bon point. Alors, je dois installer Rust. Alors, la principale façon d'utiliser Rust est au moyen d'un outil nommé RustUp, qui est un outil d'installation de Rust et un gestionnaire de version. Ok, il semblerait que vous utilisez macOS, Linux ou un autre OS de type Unix. Il semblerait que vous utilisiez un ordinateur avec un écran. Pour télécharger RustUp et installer RustUp. Ouais, YOLO, ouais, on va faire des curls comme ça à l'arrache. Ouais, non, non, non. Alors, on va voir si on a RustUp au niveau de OR. En même temps, tu peux pas juste faire un YA de Rust. Sinon, ouais, on fait la bonne ligne de curl, mais je suis pas très fan, quoi. Alors, on a un Rust up sur ça. Je regarde juste ce qu'on a. Non, je me dis YOLO, je peux pas juste installer Rust. Genre, je fais YA, S, Rust. Ça a l'air très bien. Hein. J'aime bien, ils ont changé le chargement. C'est un petit C qui bouge des ronds. Ouais, le package build. Alors, est-ce que Rust est à jour? Rust évolue souvent. Si vous avez installé Rust Up il y a longtemps, il est possible. Ok, moi je m'en fous. J'ai la version un truc. Je suis sur Arch. J'ai la dernière version. Petite pause avant que je puisse me faire des popcorn. Ouais, tu peux y aller, je pense, le temps. Cargo et l'outil de build. Construire votre projet avec Cargo Build. Ouais, déjà, ça. Pourquoi t'appelles ça Cargo alors que le truc s'appelle Rust? Est-ce qu'il y a un lien? Publi et en plus, tu publies sur Crate. Déjà, le truc n'a pas de sens, quoi. Ok. Alors, préparez-vous à avoir de la mauvaise foi, mais puissance 1 million, par contre, hein, je vous préviens. Ok, donc j'ai Cargo. J'ai Crates et j'ai Rust.
Ok. Ah. Alors là, après, on parle d'outils. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, VS Code ou PHP Storm avec l'extension Imac Vim. Non, en vrai, que je connais. VS Code ou... Alors, Getting Started. L'installation, ça c'est bon, on l'a géré. Ok. First step with cargo. Ok, je vais créer mon nouveau projet. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, on va se rendre dans le dossier document. On va mettre un dossier lab. On va faire cargo, new. Est-ce qu'on l'appelle comme eux? Ou on se dit déjà, ouh, on est foufou et on change de nom? Allez, on est fifou. Alors, on va l'appeler apo underscore calypse. Ok, donc ça a créé Apocalypse normalement. Déjà, ça. Ok. Donc je vais ouvrir ce projet-là. Donc fichier, ouvrir dans lab. Apo. Il est là. Alors je suis ouvert. Franchement, en vrai, je suis ouvert d'esprit. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un cargo.toml. Alors le toml, je ne sais pas ce que c'est, mais j'imagine que c'est ce qui contient mes infos. Déjà, il a récupéré mes infos personnelles. Il m'a pas fait de bandeau de cookies, il m'a récupéré mes infos personnelles. Ok, alors la merde, je l'ai ouvert avec mon éditeur il a l'air de faire des trucs là. Dans mon dossier src, j'ai le main.rs, qui est donc mon magnifique programme, qui va faire des trucs. Ok, alors là, YOLO, j'improvise. Je fais cargo-help. Est-ce que j'ai un truc run pour run? Build, check, clean, new, init, run. Cargo, run. Hello world. Eh, c'est bon. Je maîtrise. Bon, ben rendez-vous au prochain live. Ciao! Bon, en vrai. Ok, donc là ils me disent This is called a manifest. Mais plutôt que l'appeler manifest, ils l'ont appelé cargo. Metadata. Ok. Bon, là ils te prennent vraiment. Bon, après, j'imagine qu'ils parlent peut-être pas des gens qui programment, ils te prennent vraiment pour un con quand même. Let's compile it and then run. Ok, donc on peut compiler. Cargo. Ça, il y a moyen de le. Tools. On off, set you can. Ouais. Merde, j'aurais dû regarder où il me disait que je pouvais le désactiver. Quel con. Merde, c'était où qu'on pouvait désactiver ce truc-là, là? Highlight hyperlinks, run command using IDE. Bon, peu importe. Mais c'est chiant. Here, ok. Ah oui, je voulais le build. Cargo. Bah, tant que j'ai pas de problème, pourquoi je passerai sur un build? Allez, punaise. 0,0 seconde, quoi. C'est genre, j'ai pensé qu'il a déjà compilé. Ça, c'est ouf, hein. Ok. We can also use cargo run to compile. Ça, ils me prennent pour qui? Moi, j'ai déjà avancé. Ok, c'est moi où ils vont me parler de cargo pendant 2 heures et puis je vais jamais découvrir Rust, le langage, en fait. Attends, je suis pas sur le cargo book là. Ah putain, je suis sur le cargo book. Est-ce qu'on s'en foutrait pas du cargo? Moi, je veux apprendre Rust en fait. Je suis pas venu là pour cargo en fait. je me suis fait. Déjà, je me suis fait bambouze quoi. Ah quoi, putain. Non, moi, je veux apprendre Golang. Golang, Rust. Read the book. Hello cargo. Ok, on recommence. Faux départ, faux départ. Nanina. Ouais, ok. Hello world. Oui, je suis familier avec les commandes de trucs. Bon, moi j'ai fait un Rust new, mais bon, c'est la même chose, quoi. Ok, un programme. C'est un truc qui commence avec une fonction, il y a un main, là il m'explique comment fonctionne une fonction, gna gna gna, bon.
On va passer vite hein, parce que on connaît là, ça ressemble à ce qu'on connaît. Pour compiler run, on a Rust C. Compiling and running are separate steps. Déjà, c'est pas la même chose, c'est pas le cargo run, mais on imagine que moi j'ai créé le projet cargo, donc c'est plus simple. Ah, hello cargo. Donc tu fais cargo version, cargo new, t'as le package, là on te réexplique les trucs. C'est là où il faut pas que je clique parce qu'on m'envoie sur cargo qu'on va se provide de command line cargo check qui permet deux trucs. Déjà, je suis pas mal, ouais, j'étais pas sur la bonne doc. Comment je me suis fait rediriger vers le truc? Ok. Programming a guessing game. Ah ouais, c'est genre, ouais, tu m'as pas donné les bases et déjà, je suis censé faire un truc, quoi. What the fuck? Ok. C'est bon, je suis développeur Rust. Alors, je setup un nouveau projet. Bon, on va utiliser notre projet Apocalypse. Hein. Au pire, on réécrasera du code. D'accord. Ouais, je sais écrire du texte. The first part of the guessing game probably we ask for user input. Tiens, j'ai l'impression de revoir le truc de Romain là. Ils partent directement du principe que je connais tout ça là. Ok, on va écrire le code. Non, ça peut-être ça entraîne les développeurs à faire du copier-coller. C'est pas une mauvaise chose. Voilà, je fais ça. This code contains a lot of information. Merci, ouais. No shit, Sherlock. So let's go over line by line. Ah oui, j'ai oublié le use. Autant pour moi. Ok, bon, concrètement, hein, blague à part, c'est assez classique. Il y a un let, donc j'ai l'impression d'être en JavaScript. On a un new comme ça, donc j'ai l'impression d'être en Ruby. Sauf qu'on aurait mis un point en Ruby. Et là, bon, j'imagine que c'est une méthode et voilà, bref. Donc, on fait un cargo run. Please input your guess. Lol. You guessed lol. Bah non, il m'a. Enfin, c'est le pire jeu, il est nul ce jeu. Rust. Ah putain, mais vous me dites pas qu'il y a d'autres liens. Je peux pas commencer 15 autres trucs, sinon il va falloir faire des. Non, mais j'étais sur ça et j'ai cliqué sur Doc, t'inquiète. Ok. Voilà, jusque-là, on est bon. By default, Rust brings only a few tips to the scope on program. The prelude. C'est quoi ce prélude? Oh là là. Ouais, j'imagine que c'est ce que t'as par défaut, quoi. Ok, on s'en fout. J'ai l'impression que les liens fusent dans le chat. Genre, les gens, ils ont 15 millions de commentaires. Non, moi, je commence le langage par la doc. Je commence le langage par la doc, c'est la manière. Voilà, c'est. Ok, donc là, merci, ça j'ai compris. Alors, pour stocker une variable dans. Ah, ça nous intéresse. On va créer ça. Let, c'est pour créer une variable, quoi. Ouais, ok. Est-ce que. Voilà, là, attention. J'innove. Je fais let lol égale ma chaîne. Je sauvegarde. Est-ce qu'on doit mettre des points-virgules à la fin des lignes? On va imaginer que oui, parce que ça soulignait quand même en rouge. Et là, je vais println. Lol. Et ça, je vais le commenter. Alors, comment on commente en Go? Comme en PHP, comme à la maison. Ok. Comme dans la plupart des langages de programmation du monde, en fait, sauf Ruby qui a une manière de commenter qui est absolument ignoble. Ok. Alors là, ça partait mal. Donc, il me dit unused imp. Ok. Donc, il y a une genre de linter, mais voilà. Ok. Et là, il me dit ma chaîne. Ok, ça fonctionne. Alors, question, est-ce qu'il est aussi bourrin que Go? C'est-à-dire que là, il va me dire, attends, hop, hop, mon petit là, ta variable guess, elle n'est jamais utilisée, quoi. Ah, c'est juste des warnings. Ok, en Go, ça compile carrément pas. Il t'envoie chier, quoi. Ok, donc jusque-là, c'est parfait. Voilà, je maîtrise. Je ne sais pas ce que veut dire ce mute, mais je pense que ça veut dire que c'est mutable parce que j'en ai entendu parler et parce que c'est écrit ici. Ce qui est marrant, c'est qu'il balance des trucs, puis il explique des trucs qui ont l'air tellement basiques. Genre, attention, quand tu mets double slash, c'est un truc, alors qu'il part du principe que tu sais ce qu'est une variable. Ouais, alors. The syntax in the new indicates that new is associative function of the string type. Ouais, merci, ok. En fait, j'ai envie de sauter un peu pour avancer parce que sinon c'est très chiant à regarder en stream. Mais de l'autre côté, je me dis que si j'avance trop,
Je vais sauter des points clés et après vous allez me tomber dessus à dire ah, il fait n'importe quoi. Ah. Readline. Ouais, donc ça c'est. Ok. Ouais. Pour le coup, c'est un pointeur. Ok, on en a eu la référence. Non, jusque-là, ça va. J'arrive à suivre. Ça ressemble à du PHP même, donc on n'est pas trop déçu, quoi. Donc là, par exemple, typiquement, hein, imaginons, j'oublie que ça, c'est mutable. Ah, par contre, c'est bizarre de devoir redéfinir que c'est mutable. Ah oui, merde, il faut que j'importe ça. Est-ce qu'on peut le faire automatiquement? Mais oui, trop bien cet éditeur. Expected mutable référence. Est-ce que tu peux envoyer une référence qui serait pas mutable en fait? Ça n'a pas de sens. Ok, non mais ok. Alors quand ça plante, on a un expect. Alors ça c'est nouveau ça. Ça c'est un genre de try catch quoi. Si je tape rien. Ok, je sais pas ce qui le ferait planter en vrai. Non, le expect est quand même pas mal. Asmel générateur, readline, ok. Bon, en vrai, je pourrais presque essayer de le faire moi-même. Voilà, par contre, il me faudrait connaître les boucles, donc je vais être bloqué là. Alors attendez, là, on me parle de. Est-ce que vous voyez bien ou vous voulez que je zoome? Zoom. C'est mieux. Il n'y a pas un thème light? Parce qu'en vrai, le texte, c'est très sympa, hein, mais c'est absolument illisible. Ouais, en fait, je ne sais pas si je préfère ça. Quel thème vous préférez? Light? Rust? Navy? Enfin, Call? Navy? Ou AU? Rust. Ok. En fait, le texte, je trouve que de manière générale, les textes sont quand même plus sympas. Quand tu dois lire des textes, c'est pas pour rien que les livres sont écrits. Attention, le mec il part sur sa théorie du complot. Les livres sont écrits sur fond blanc. Parce que j'ai réfléchi, mais en même temps que je l'ai dit, je me suis dit, mais oui, forcément, parce que si t'imprimais tout sur fond noir, ça serait tellement chiant. Ça coûterait tellement d'encre. Alors, on en était là. Non, parce que là, the result type are enumeration. Alors, on va aller sur readline. Il doit y avoir une doc là. Ok. Voyons si j'aurais pu trouver ça. Je cherche readline. Donc c'est dans io stdin. Ok. Readline. Readline, ça nous renvoie un résultat. Et sur ce résultat, est-ce que je peux voir les différentes méthodes qui sont disponibles? Special résultat. Parce qu'après, sur ce résultat, c'est sur ce résultat qui fait expect. Donc d'un résultat. Ah putain, la doc, elle est pas évidente à lire. Ça déjà. Implémentation, ok. En fait, moi, je cherche les méthodes. Ou l'équivalent des méthodes. Est-ce qu'on a expect? Hop là. Expect. Ah putain, mais c'est illisible, quoi. Au moins Golang pour apprendre c'est mieux. Bah, pour l'instant ça va, hein. Franchement, je me sens pas largué par ce qu'ils ont fait. Alors, the OK variant indicate the operation was successful and inside OK is a successful generative value. The error variant. Là, je comprends pas de quoi ils parlent en fait. The purpose of this result type is to encode error handling information value of the result type, like value of any type of methods. An instance of your result as an expect method. Oui, mais je suis d'accord, mais. En fait, je voulais la chercher tout seul, quoi. Voilà, mais ils m'ont spoilé. Hein. Ils m'ont divulgaché le Rust, quoi. Tu peux aller directement à la section 3. Non, non, mais je. Voilà. println. Ce que je mets. Par contre, c'est inutilement trop long, quoi. C'est inutilement trop long.
Et par contre, si je veux print juste des... Attends, tu veux dire que tout ça, c'est le chapitre 3? Ok. Attendez. J'ai été là. Non, je lis tout. Je lis tout, je sais, ça peut être chiant. Next, we need to generate a secret number. We'll try to guess it. The secret number should be different every time the game is fun to play more than once. Let's use a random number between 1 et 100. Ok, donc voilà, on va utiliser la rand crate. Ouais, je me suis dit, je vais essayer d'y aller solo, mais en fait, je vais pas y arriver tout seul. Donc d'abord, on utilise la dépendance. Y a pas un truc sur cargo pour le faire? Ouais, cargo. Ah non, c'est pas install. Search. New. Clean. Build. Check. Install a Rust binary. C'est pas vraiment ce que je veux faire, moi. J'aimerais bien search registry for crate. Comment on rajoute une... Clean doc. Ouais, on va search rand. J'aurais pas dû faire ça. Non, en fait, ils te disent de le mettre dans le dependency, mais je me posais la question s'il y avait une commande pour le rajouter. Search registry for crate. Un peu comme un yarn add ou un npm install. Mais ok, si pour l'instant je ne vais pas essayer de le brusquer. Donc dans les crates, est-ce qu'on a directement le truc qu'on peut écrire? Ah ok, tu rajoutes juste ça. Ok. Cargo install rand. Oh là là, quand je sauvegarde, ça clignote dans tous les sens. Ok, il installe automatiquement les choses. Ça c'est pas mal. In the cargo.toml, everything. Ok, alors imaginons, je suis autodidacte. Et je me dis, tiens, et con aussi, autodidacte et con. Et je me dis, tiens, j'aimerais bien essayer d'utiliser Rand sans voir comment ça fonctionne. Je crois que j'aurais pas dû, quoi. Ah, guide, random data. Ouais, non, non, on va rester sur la doc. Ah, putain. Alors... Ok. Voilà, on m'explique comment. Ah, voilà, je veux générer un nouveau nombre. Entre 1 et 101. Ah, ça fonctionne. Romain, tu te souviens avec les histoires? Là aussi, apparemment, pour un nombre entre 1 et 100, il faut mettre 101. Donc, on génère un nombre aléatoire. Ok. Donc, on va le générer ici. Donc, ça, c'est un nombre qui n'est pas. Ah ça, il va falloir l'importer du coup. J'imagine. Enfin, j'imagine. Je sais qu'il faut l'importer. Par contre, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de lien entre ça et ça. C'est des tranches de pain, ouais. Gna gna gna. Please input your guess. Ah, d'abord, ça t'affiche le nombre. Ah oui, c'est très con comme algo. Hein. Voilà. Ça te demande de guess. Ok, alors on va essayer de relancer le truc. En même temps, je suis con, on peut pas faire ça. Voilà, ça sera mieux. J'aurais pas dû dire que ça serait mieux. Cargo run. Ah, première erreur de compilation. Ouais. This function take one argument, but two supplied. Ok, alors on va cliquer là pour voir un peu la doc. T'as pas lu la doc? Bah, je pensais avoir lu la doc, il dit que j'ai pas lu la doc. T'as pas lu le cours? Bah c'est ça le cours. First, we add the... Ok, peut-être après ils me diront c'est normal que ça plante. The range est très... Okay. Next, we are adding two lines in the middle. Right? Ok, donc ça, apparemment, je peux faire ça.
J'appuie sur Entrée. Voilà, et là je peux regarder les crates que j'ai installés. Donc dans Rand, j'ai une explication sur comment ça fonctionne et les différentes. Ah, ça c'est vraiment fou ça. Ça c'est vraiment cool. Ça je plus soit, tu vois. Alors quelqu'un me dit, t'as pas installé la bonne version. Sympa. Parce qu'en fait il y avait plusieurs versions. La 0.6. Ah, ça commence si déjà ils te foutent. Ah oui, ok. Faut avoir la même version. Ok, alors maintenant on va pouvoir refaire un cargo run. Ça va. C'est long à build par contre. Hein. Ça c'est inquiétant. 13. Ouais, j'ai gagné. Rip mon lien. Ah, je suis désolé. Comparing the guest to the number. Alors ça par contre c'est le pire truc. C'est le pire truc qui soit ça. Alors, pour l'instant ils me font copier-coller du code. Je suis pas forcément fan. J'aurais bien aimé écrire quelques lignes. Mais en même temps ils me balancent tellement d'infos à la seconde là. Donc je récupère secret number. Alors ça c'est un pointeur du coup. Je passe la référence de machin. Ça j'imagine que c'est un truc qui doit être dans... Dans quoi ça? Dans SMT truc. Ok. Et secret number, pourquoi il dit que ça marche pas? On va voir, on va essayer d'exécuter, mais à mon avis, ça plantera. Expected struct string found integer. Ok, bon, on continue. Comparing the guess. Ok. The first new bit here is the use. Mais putain, mais il balance. Ouais, il balance trop d'infos. Et... Then we had a few lines. Ouais, bon, dans tous les cas, we use a match expression. A match expression metaphor. Attends, c'est. Let's run for the example. Ok, donc j'ai la même erreur qu'eux. Donc là, en fait, le problème, c'est que je génère ce nombre-là et que c'est pas du bon type. Ouais, jusque-là, je comprends. Ok, donc je convertis. Ah, les types arrivent. Donc, lorsque je veux mettre un type, je mets deux points, le type à utiliser. Donc ça, c'est un entier de 32 bits, quoi. Dope. Ah. Ok, attendez. Je trouve que déjà, ça part mal. Ça part un peu mal, je veux pas vous dire, mais... Ok. On réexécute. J'ai coupé mon Docker et tout. Unsigned int. Donc ça veut dire que c'est que des positifs, c'est ça, ouais. Donc ça permet de stocker. On pourra utiliser les attributs PHP 8 dans la nouvelle version de Doctrine. Ouais, j'ai vu ça. Je crois que c'est pour la prochaine version, mais sur Symfony, c'est pas encore disponible. Je comprends pas là. Il crée ça. Ouais, bon, des copier-coller, hein. Allez, YOLO. En même temps, je sais pas quelle ligne je vais remplacer, c'est un peu relou. Failed to read line, c'est cette partie-là. Bon, pour le coup, le Godoc était plus sympa quand même. Hein. Je vais pas vous truc là, mais. Alors là, par contre, je comprends pas parce que du coup, il me fait déclarer une variable puis la redéclarer quoi. Tu n'es pas obligé de remplacer ton guess égale string from. Propose des variables shadowing.
Ouais, attendez. We create a na variable named guest. OK, but wait, doesn't the program. Oui. Rust allow us to shadow the previous value of guest with a new one. OK, donc c'est très typé, mais. Enfin, c'est typé, j'en sais rien pour l'instant. Ça me permet de réutiliser une variable et du coup, l'ancienne est perdue, j'imagine. OK, dans le chapitre 3, on va plus voir ça. Voilà, blablabla. Bon, de toute façon, là, on me balance des méthodes en chaîne. Mais je pense que ça sert à rien, en fait. Moi, je vais juste avancer. Je vais pas les copier-coller. En fait, il est en train de me montrer un exemple de code, mais il m'a pas expliqué le code, en fait. Donc, effectivement, il faut que je saute au chapitre 3. Désolé pour ceux qui disaient ça tout à l'heure. Je vais quand même avancer parce que je suis curieux de voir à quoi ça ressemble le programme, en vrai. Ça j'aime pas, hein, j'annonce. C'est où quand on fait une boucle là? Ah, c'est loop. Ça c'est pas mal. Unling invalid input. Ça j'aime pas. Hein. Le mec il fait j'aime pas, j'aime pas. Voilà, c'est bon, t'as créé le jeu, maintenant je vais t'expliquer comment fonctionnait le langage. Putain, les deux ils font la même chose. Hein. Go, on avait vu, fait la même connerie, c'est débile ça. Pondez juste l'exemple direct dans ce cas-là. Si vous faites une doc dans ce genre-là et que vous voulez montrer à quoi ça ressemble. Mais commencez pas par 200. Enfin, je ne sais pas combien il y a de caractères pour. Ok. Ouais, donc on peut créer des variables. Mais après, on ne peut pas les modifier parce qu'elles ne sont pas mutables. Alors, ouais. Voilà, ça, c'est plus à mon niveau, ça. Ça, c'est plus. Ça, je connais ça. Faut juste que je, à mon avis, faut que je use, non? Ça marche. Donc si je fais ça, bon, on a un linter, mais globalement, on a une erreur. Ok. Si je fais ça, on est d'accord que c'est le shadowing de tout à l'heure, ça marchait. Et si je disais que c'était une variable mutable et que je la mute, ça, on est d'accord que j'ai le droit de le faire. Ok. Voilà. Alors, on va t'expliquer pendant 2 heures. The error message. Ce que on vient de me dire. Voilà. Une constante, c'est une variable qui ne bouge pas. Mais par contre, attends, c'est une constante par défaut, un let du coup. Ah, j'imagine qu'une constante, c'est en fait la même chose. Const, mais je ne dois pas avoir le droit de shadow de truc en fait. En plus, ça n'a pas l'air de marcher comme ça a l'air de marcher. Attends, je vais essayer d'exécuter ou qu'est-ce qu'il me dit là? Missing type const for item. Donc on va lui dire que c'est un unsigned int de 8. Constant x should have an uppercase. Ok, ça devrait être en majuscule. Ouais, je vois pas trop l'intérêt. Shadowing, on me l'a expliqué. Putain, c'est. Il t'explique les concepts après coup, je trouve ça débile. So what's the difference between mute and shadowing? Ah oui, en fait, quand tu shadowing, c'est pas du tout la même variable, quoi. Tu me tournes ça de manière compliquée, mais c'est simple, en fait. Par contre, je me pose une question. Si je fais let x égale hello. Et que je dis que c'est quelque chose de mutable. Si plus tard. Ah, faut mettre des doubles quotes, c'est ça? Si plus tard je me dis YOLO, j'ai envie d'avoir. Ah oui, point virgule, ça par contre je m'y ferai pas. J'ai envie d'avoir la length. Je peux le faire comme ça ou il faut que je fasse appel à la référence? Ah, il t'aide même en disant c'est pas mutable. En vrai, avec leur doc, un jeune dev, ouais, mais j'ai l'impression que c'est comme la doc de Go. Je pense qu'il part du principe que tu as déjà fait des bases, en fait, et que tu as envie de passer au-delà, et que donc tu maîtrises déjà un peu C et compagnie, quoi. Mais pour l'instant, la doc, elle est cool. Mais après, je la prends effectivement avec la perspective d'un développeur. Je la prends pas avec la perspective de quelqu'un qui débute la programmation. Mais en vrai, je ne suis pas sûr que débuter la programmation avec Rust, ça soit la meilleure expérience qui soit, quoi.
Moi, j'aurais tendance, enfin, si j'imagine apprendre la programmation à quelqu'un, c'est langage de haut niveau. Histoire que tu mettes un peu les pieds dedans et que tu t'emmerdes pas avec tout la gestion de mémoire, les trucs comme ça. Donc, moi, j'aurais tendance à aller sur des langages Python, Ruby et compagnie, quoi. Ok, this construct is allowed to be the first species. Ouais, mais c'est logique, quoi. Ok, bon là, il m'explique vraiment en bête, 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 mais ok. J'ai compris. Basiquement, je mets mute si c'est mutable, et sinon, c'est immutable par défaut. Premier point, on va faire une petite conclusion de chaque chapitre. Ça, c'est bien. Super bien. Le variable shadowing, c'est bizarre, mais c'est bien. Ça correspond à ce que font les autres langages, mais c'est plus expressif, donc moi, j'aime bien. Alors, chaque variable a un type précis. Donc c'est statiquement typé. Ok, donc on précise le type à chaque fois. Ok, quand je parse un truc, je dois lui donner le nombre. Ok, si tu veux. Alors les types scalaires, on a. Alors ça c'est vrai que c'est particulier parce que quand on vient d'un langage de haut niveau, on dit un entier ou pire en JS, on dit juste un nombre. Tu vois, c'est YOLO quoi. Une flotte, tout est dans le même truc. Et là, c'est vrai que le côté, tu dois choisir le nombre de bits, c'est pas forcément évident quoi. Donc faut savoir en fait la taille de tes chiffres à l'avance. Ce qui est pas ouf. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, là, j'ai l'impression qu'il est en train de me dire que si je le souhaite, je peux rentrer un nombre et ça peut être un nombre avec un underscore, comme font les langages aujourd'hui, quoi. Et ça sera x directement. Si je run ce programme-là, on va le lancer là. Ça me donne 9000. Ok. En fait, là, il est en train juste de m'expliquer que je peux les écrire comme ça et qu'automatiquement, ça, c'est une décimale. If you try to change the variable to a value outside, integer will occur. When you're compiling in debug mode, Rust include a check for integer overflow that cause the program to panic. Je suis d'accord. Mais là, je lis pas de travers, on est d'accord. Alors, floating point type, dites-moi, non, non, là, je suis bien, je suis au bon rythme. Mais je veux pas faire le truc où je rush comme ça et puis qu'à l'après, je me réalise que j'ai pas les moitiés des trucs, les infos que. Ah, j'ai pas la moitié des infos que je suis censé avoir, quoi. Par contre, les floats, je sais pas trop comment ça fonctionne en termes de taille. Les opérations numériques, ok. Les booléens, bon, on connaît, hein. Les caractères type. Ah, ça, c'est nouveau. Char, c'est juste un caractère. C'est pas la race dans Guild Wars, quoi. Un tuple type. Alors, tuple, ça c'est nouveau, ça. Ça permet de grouper plusieurs valeurs. Ouais, c'est un genre de tableau à taille fixe, quoi. Alors, par contre, attends, je crée un tuple qui vaut ces valeurs-là. Et ensuite, je peux genre déstructurer. Ah, ça c'est bien, ça par contre. Ah ça oui, ça existe sûrement dans d'autres langages. Ok. Ah, donc ça c'est pour accéder à une propriété. Quel enfer le Rust. Ah ouais, t'as déjà essayé Lior? Pour l'instant, hein, le mec il a mis au deuxième chapitre. Pour l'instant ça va. Je pense que ça va être plus tard que ça va être fun. Mais pour l'instant c'est pas très compliqué. Un like tuple, every element of an array must have the same type. Et okay, tuple, c'est un tableau, mais on peut avoir plusieurs types qu'on peut préciser comme ça. Et array, ça peut être, c'est toujours le même type. Et comment on le précise? On le précise comme ça, plus la taille. Donc là, c'est entier de 32. Ok.
Non, jamais essayé, mais rien qu'à dire, c'est trop bas niveau pour moi. Ouais. Mais enfin, le problème, c'est que je sais pas comment toi t'as appris, mais moi j'ai appris le dev avec PHP, JavaScript et tout ça. Et du coup, j'ai de grosses lacunes, j'ai des gros manques en fait sur tous les langages bas niveau. Ce qui fait que quand j'attaque ce genre de langage, très rapidement, je me heurte à des problèmes, des lacunes dans l'algo pur en fait. Il y a des choses que j'ai pas appris et c'est galère, quoi. J'avais fait de l'Objective-C à l'époque pour faire une appli mobile et il y avait les releases en mémoire et c'était pareil, je ne savais pas les gérer et j'ai fait une appli, c'était la croix et la bannière, quoi. Ok, basiquement, c'est toujours le même principe, c'est que les tableaux en fait sont pas vraiment des tableaux, c'est juste des accès mémoire à différentes valeurs. Et ok. Là, le problème, c'est qu'il me bazarde quand même pas mal d'infos. Est-ce qu'on a des hash, genre des objets avec des clés et des valeurs? Ça, on ne me l'a pas montré, on est d'accord. Donc je pense que c'est des langages qui, effectivement, si tu viens d'un plus bas niveau, c'est plus simple à appréhender, quoi. Alors, c'est pervasive, j'avais jamais entendu ce mot-là. Alors, on va faire pervasive, word reference, ENFR. Ça veut dire envahissant, c'est pénétrant. Voilà, les fonctions, c'est pénétrant dans Rust. Ça, ok. Donc FN, le nom de ta fonction, et tu tapes les trucs, ok. Ah, on va créer un nouveau binaire. Ok, imaginons l'on improvise. On va faire la fameuse fonction hello. Donc elle prendra en paramètre le nom qui sera une chaîne de... Ouais, mais je ne sais pas faire une chaîne de caractères. Ah, c'est une string. Ils ne me l'ont pas expliqué les chaînes de caractères, j'ai l'impression. Là, je vais faire... Comment je retourne? Je retourne. Avec comment je concatène des trucs là? Ouais, non. Bon, on va juste print ln. Et on va mettre bonjour. Suivi du nom de la personne. Comme ça. Name. Qu'est-ce qu'il dit là? Ce string. Ok, donc il faut l'importer. Oula. J'ai pas vu les strings. J'ai vu les caractères type. Comment on fait une chaîne? Remplace par. Et string. Je comprends pas déjà. Il faut le passer par référence? D'accord, ok. Et là, je fais hello et j'appelle John. Parce qu'il faut suivre la doc. Ouais, mais j'ai envie d'avancer là. J'ai envie de faire mon bonjour. Ok. Non, j'ai loupé un truc? Ok, ils vont me l'expliquer. Donc les paramètres, c'est bon, ça c'est clair, on maîtrise. Ouais, là ils vont m'expliquer que les variables elles sont limitées. Ah, what the fuck, attendez. The function definition are also statements. The entire preceding example is a statement in itself. Alors là, ouais, là j'ai peut-être avancé. Les fonctions définition are also statement. The entire preceding example is a statement in itself. Statement do not return a value, therefore you can't assign a let statement to another variable. Pourquoi j'aurais envie de faire ça? Pourquoi il leur pète l'envie de me dire que tu peux pas faire ça? À aucun moment donné, ça me serait venu à l'idée de d'écrire ça. Ok. Alors là, ça, je suis très curieux de ce truc-là. Donc, on peut créer une variable qui contient un statement. Ok. Et après, là, on n'a plus besoin de point-virgule. J'imagine qu'à la dernière ligne, il ne faut pas un point-virgule. Et ensuite, je peux faire un println de... D'ailleurs, j'ai fait une faute d'orthographe. Personne ne m'a rien dit là. Et on va débugger Y. Statement. Et on va mettre... Hop. Y. J'ai le droit de faire ça. Statement égale 4. C'est comme si j'avais créé une mini fonction en fait, c'est ça?
Ok, donc d'après mon imagination, hein, je peux faire ça. Bon, je ne sais pas comment à peine à une chaîne, mais j'imagine que ça retourne. Ouais, non, non, attendez. J'avance trop. Ouais, on dirait que c'est un genre de lambda chelou, mais ok. This expression is a block that, in this case, evaluate to 4. That value get bound to y as part of the let statement. Note that x plus 1 line without a semicolon at the end. Expressions do not. If you add a semicolon to the end of an expression, you turn it into a statement, which will then not return a value. Keep in mind this. Ok. Ce que j'aime bien, c'est qu'il te glisse de temps en temps un petit détail. Et tu sais que c'est le détail important, c'est genre, n'oubliez pas de prendre l'arme dans le petit coffre. Alors, une fonction peut renvoyer une valeur. But we do déclare. Bah tu vois, moi, la syntaxe, pour l'instant, c'est l'inverse. J'ai du mal, il y a trop de symboles, quoi. Il y a beaucoup de symboles. You can return early from a function by using return. Sinon, j'imagine qu'en fait, il faut rien faire. Si je fais une fonction, on va l'appeler add. On lui passe un premier nombre, a, qui sera donc un i32. Ensuite, je passe un nombre b, qui sera donc un i32. Et je lui dis, ça va retourner un i32. On est d'accord, c'est comme ça que ça s'écrit. J'écris du Rust, j'improvise. Là, je fais A plus B. Si maintenant je fais un add 32, 32, et que ça je le println, ouais, pour l'instant je ne sais pas println, juste un truc. Ça fonctionne. Alors déjà, j'ai pas d'erreur de code. Mais ça me donne ça. Ok. Ah, punaise, il y a des gens, ils l'ont fait de tête. Mais vous êtes des ordinateurs, c'est pas possible. Comment vous avez pu? Ok, et si tu mets un point-virgule, ça retourne rien en fait. Voilà, en l'occurrence, ça devrait planter quoi. Il faudrait faire ça du coup. Ok. Alors ça, c'est chelou ça. C'est chelou et j'aime bien. Parce qu'en fait, ça me fait penser à Ruby qui retourne automatiquement la dernière ligne. Et par contre, si tu fais. Let A égale 0. On est d'accord, hein, il faut vraiment que ça soit la dernière ligne. Ok, il crache. Et si je fais un return de ça, là il va râler parce qu'il va me dire que ça va pas être utilisé. Ok, il râle mais il passe. Ok. Il y a aussi le mot-clé return. Ouais, moi je préfère quand même le mot-clé return. Ok. Ouais, là on est en train de me réexpliquer les choses. Là, c'est ce que je viens de tester. Bon. Moi, je préfère le return, ouais, on est d'accord. Il est iral, pourquoi? Compiling XOT produce an error as follow. Implicit return as its body has no tail or return expression. Ah oui, parce que ça renvoie une expression du coup. Et ça peut pas marcher parce que. Ok. Les commentaires. Lol. Ah, moi j'aime bien les chapitres comme ça. Ça c'est mes chapitres. Ça j'aime bien, voilà. Mais par contre, tu aurais pu m'expliquer que j'avais les commentaires multilignes avec le slash étoile, ça aurait été bien, quoi qu'ils aillent être. Attends, peut-être qu'il y avait un détail. Peut-être j'ai peut-être été. On est d'accord qu'ils ont fait un chapitre juste pour ça? Bon, mieux le mettre. Alors, les contrôles flow. On a le if. Ah ouais, le match tout à l'heure, il m'a fait peur. Le if, j'aime bien. Ok. Ça, j'imagine qu'en fait, c'est compris comme un statement qui va automatiquement return. Bon, j'avance un petit peu sans faire les exemples parce que. Must be a boolean. Ah, on n'est pas en PHP, ça on peut pas le faire, ça.
ou en JS pour le coup. Ça là, pas le droit. Un booléen doit être un booléen. Voilà, ça je suis d'accord. Ça, bonne nouvelle. Bon, if, else, if, ok, else, plus loin, if. Rust pour les devs PHP? Alex Rock? Est-ce que ça, ils l'ont? Chez Quant, ils l'ont. Ouais, par contre, on va taper Rust PHP. Et est-ce que j'aurais. Ok. J'aime bien le premier résultat de recherche que j'ai trouvé juste avant. Ça avait l'air tellement con. Ok. Merci pour le lien, je regarderai ça. En fait, j'aime bien évaluer les langages aussi par leur doc. Parce que s'ils ont une doc qui est pourrie, tu sais déjà que tu vas en chier, quoi. Ah, ça, je suis convaincu. Ça, il m'en faut pas plus. Ça, c'est cool. Les conditions que tu peux mettre dans le truc. Bon, ça évite le ternaire, du coup, en fait. Est-ce que le ternaire est supporté? On va println. println de mon nombre. Est-ce qu'on peut println true? Ça donne quoi ça? Ça donne true. Et si je mets false? En PHP, ça renvoie d'une chaîne vide, c'est chiant. Ok, donc ça marche. La question, c'est si je lui dis si 3, enfin si le nombre est supérieur à 3, je veux que tu renvoies true, sinon je veux que tu renvoies false. Ok, ça lui fait péter un boulon. Alors, il y a peut-être une condition. Mais si j'avais à l'écrire comme ça, on ferait if cette condition-là. Dans ce cas-là, true. Sinon, false. J'exécute. Ça marche. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est bien foutu. En tout cas, pour l'instant, très séduisant en termes de choix technique. J'ai pas vu grand-chose, effectivement. On n'a pas vu. Je pense que quand on va parler des channels ou l'équivalent des channels, ça va être un peu plus hardcore. Mais pour l'instant, sur les choix qui sont faits, c'est quand même pas mal, quoi. De quoi tu es obligé de mettre un else? Ah oui, mais bon. Ok. Là, il y a un problème. When try to compile this code, we get an error. Ouais, parce que les types sont incompatibles. Ok, les boucles. Bon, la boucle loop. Ah, mais ça, c'est horrible. Ça va le faire en permanence, quoi. Ok, donc tu peux faire CTRL C pour l'arrêter. You can place a break keyboard, ok. Returning value from the loop. Elle est où ma boucle là? On est d'accord, là il n'y a pas de boucle. Ah, elle est là. Ah ouf. Ok. En fait, une boucle, et tu peux avoir une expression qui return. Enfin, le break. Return la valeur qui est foutue dans le résultat. Break expression. Ok. Donc tu peux break et retourner une valeur. Ça c'est cool aussi. While, bah, c'est comme une boucle, mais t'as pas la break. Est-ce qu'on peut break un while? Attends, pourquoi tu voudrais break un while? Ça n'a pas de sens. Ok, on a le for. Donc le for va marcher. Ouais, là on m'a dit tu pourrais utiliser un while, mais personne n'a envie d'utiliser un while. Nous on est habitué au for et for each, quoi. Donc c'est for in. Alors c'est in. Ça me fait tellement chier en JS qu'il y ait for in et for off. Je confonds les deux à chaque fois. Ok, jusque-là c'est pas très compliqué. Si tu veux l'index, bon, j'imagine que tu peux avoir l'index. Mais a.iter. Je vais run ce code-là. J'ai envie de savoir un petit peu ce que ça donne. Ce value est 10, 20, 50. Ok. Je sais pas pourquoi il me dit. Hop là. Ils sont en train d'expliquer que la boucle for allait mieux.
For example, in the code listing you, the safety inconsistent for loop make them. Bah ouais, c'est mieux les for. Personne fait des while. Hein. On faisait des while ou des trucs comme ça en JS quand on pouvait pas, mais on fait des for. Bah ouais, oui, le code il est mieux. Summary. Ouais. Ok. Ah. You made it. It was a sizable chapter. You learned about variables, scalar and compound data. Type, function, comments, if, expression, and loops. If you want to practice the concept in this chapter, try building the program convert temperature between Fahrenheit et Celsius. Ah, le problème, c'est que je me souviens plus comment on demande à l'utilisateur des données, quoi. Allez, on va se faire un truc. On va lui demander la température en. On va reprendre un peu le début de cet exemple-là parce que je me souviens plus du truc. Pour lire une ligne, c'est ça. Il n'y avait pas une meilleure ma manière là tout à l'heure avec le let là. Il crée toujours une mutable. Guess.trim. Ok, non, non, ils font toujours la même chose. Ok, ce que je dois retenir, c'est stdin, readline pour lire un truc. Et c'est immutable. Ok, donc on est parti, on va faire notre premier programme en Rust. Sacré programme qui va nous valoir, je pense, peut-être un rachat par Microsoft. On va demander à l'utilisateur la température en degrés Celsius et on va la convertir en Fahrenheit. Et après, on n'a plus qu'à attendre la 2-3 levées de fond, puis un rachat, quoi. Je pense que c'est le mieux. Alors, on est parti. D'abord, on va faire un print ln. Quelle température en degrés Celsius? Point d'interrogation. Deux points. Ensuite, on fait un std in. Ça, il importe tout seul. Ça, c'est vraiment pas mal. Et dans ce std int, on read la ligne, readline, et on va lui demander, donc on va créer une variable qu'on va appeler température, temp. Est-ce qu'ils conseillent de mettre des noms? Est-ce qu'ils sont comme Go, ils disent mettez juste un truc. Si tu veux, le book existe en FR. Vraiment, on le fait en anglais parce que je sais pas si tu étais là sur le live de Romain, mais il avait mis la doc en FR, sauf que la doc, elle traduisait tout en FR. Genre, quand on disait des slices, ce qui est vraiment des slices en programme ou des ranges, ça traduisait. Et c'était l'enfer, quoi. Et ça disait des tranches, des canaux pour les channels. Limite, il traduisait goroutine, quoi. Donc c'était l'enfer. Alors, je préfère la faire en anglais, du coup, pour éviter ce genre de problème. Donc là, on va créer une variable qui va être mutable, qui stockera la température. Et on fera un string de point new. Si j'ai bien appris la leçon. Ensuite, dans le readline, je lui envoie ça. Mais on avait dit qu'il fallait mettre mutable comme ça. Ou je crois que c'était comme ça. Pourquoi il souligne ça en rouge? Parce qu'il va me dire que j'ai pas géré le cas d'erreur, c'est ça? Ah. Ouais, mais est-ce que je peux pas faire du coup que ça? Est-ce que je suis obligé d'assigner une valeur en vrai? Est-ce que je peux pas lui dire ça va être un U32? Mute string. Je peux pas lui dire que c'est une string juste alors? Mute string. Je peux pas lui dire que c'est une string comme ça? Alors déjà, j'arrive plus là. Je suis bon normalement. Il faut que je mette ça là. Fuck, je suis obligé de regarder la doc. Je triche, c'est deux points new. Mute temp, mute. Readline, mute guess, mute. Pourquoi je suis pas bon là? Std in.
Ah, peut-être il faut faire io de points. C'est bizarre, pourquoi il y a deux types d'impôts là? D'import. Ah oui, bien vu. Ok. Donc là, on a lu le truc. Et si on a une erreur, point expect, bah ça marche pas. C'est cassé. Ok, donc l'utilisateur a rentré sa température. On va se créer une fonction qui va s'appeler convert, qui va prendre un uint. Donc ça va être. Ouais, on va travailler avec des entiers, on n'en est pas au stade où. Celsius to Fahrenheit. Formula. On veut la formule parce qu'on est un peu con quand même. On ne la connaît pas de tête. En même temps, pourquoi tu connaîtrais ça de tête? Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc là, on aura Celsius qui sera un uint. Non, un int de 32. Je ne sais pas vraiment quelle valeur mettre là. Et ça nous renverra quelque chose qui sera un U32 du coup. Enfin, un I32. Je suis pas sûr parce qu'en vrai, ça fait un fois 1,8. Donc ça donnera un float 32. On va plutôt utiliser des floats 32. On n'a pas juste float en fait. Tu es obligé de faire le choix. C'est un peu relou ça. Voilà. Donc ça sera Celsius. Celsius. Et ça retourne directement la valeur. Ah oui, ça râle parce que là, ça voit un X en fait. C'est un langage de programmation. C'est pas. Ok. Donc maintenant, on a cette valeur-là. Et cette valeur-là, on l'a dans un mutable. Mais nous, ça ne nous va pas. Donc on va faire un println. Cela fait. Là, j'ai envie d'afficher la valeur. Fahrenheit. Fahrenheit. Et là, je vais traduire la valeur. Donc, je vais mettre temp.parse. C'est marché. On exécute notre code. Et il me dit No implementation for F32 plus integer. Est-ce que ça passe? Alors là, il y a un problème. Bon, déjà, il y avait un premier problème parce que c'était un float. Donc ça me rappelle un peu les. Comment ça s'appelle? Les shaders, là où il faut mettre des points pour dire que c'est des floats. Alors le parse ne fonctionne pas. Alors si j'essaie de regarder la doc. Point. Ouais, mais ça, je ne connaîtrai pas de tête. Il faut que je pratique un peu, malheureusement. Quand on parse, faut forcément mettre un expect. Ah non, non, non. Encore une fois, c'est moi qui fais de la merde parce que j'oublie le point-virgule à tous les coups. Non. Alors c'est peut-être qu'il accepte pas ça. Il faut peut-être créer la variable temp égale ça. Et ensuite l'envoyer là. Non plus. Cannot be formatted within the default formatter. Peut-être si je précise que c'est un U32. C'est bizarre, pourquoi il veut pas le. Un I32? Qu'est-ce qu'il dit là? Mismatch type. Là, on avait quoi tout à l'heure? U32? Il a l'air de vraiment pas. Peut-être il faut vraiment le expect alors. Encore cassé. Ok, le expect est important. Le expect a du sens. Est-ce qu'on peut du coup le mettre là comme ça? Cannot integer type of type. Ok. Alors là, de ce que je comprends, c'est qu'il n'arrive pas à caser son type. Ok, donc là on est bon. On a la température, je tape 10 et il me sort main panicked. Run with Rust backtrace. Encore cassé. Parse int error. Ça va être un float 32 en vrai. Est-ce que ça, du coup, ça passe? 10. Encore cassé. Parse float error. Kind invalid. Ah, il faut que je trim.
je parse 10.0 diff Fahrenheit. Ok, et là, ça, on va le convertir. Convert temp. Mais ça, le type est important là parce qu'en fait, il fait un genre de casting. Donc, on va mettre 10 degrés. Ça fait 50 Fahrenheit. Bah, il n'y a aucun moyen de vérifier, mais j'imagine que oui. Enfin, il n'y a aucun moyen. Si seulement il y avait des sites pour pouvoir... Petit déconne, il n'est pas interactif le truc. On retient que Quant ne fait pas la conversion. Est-ce que DuckDuckGo l'a fait? Tiens. 10 Celsius to Fahrenheit. 50. Est trop fort quoi. Allez. Alors on regarde les autres exemples. Generate the n Fibonacci number. Take print the lyric of the 12th day of Christmas. On se dit 21h30 max. On fera la saison 1, épisode 2 demain. Alors, cette chanson, je la connais pas parce que je suis pas anglais. J'imagine que ça va être une chanson qui se répète beaucoup. On va mettre lyrics, sinon on va pas aller loin. Ah, je suis en France. Afficher la finalité. Je veux juste accéder à une chanson. Pour accéder à une chanson, il faut donner ton accord avec les cookies maintenant. C'est l'enfer cette chanson. Bill Gates, on va parler de convertisseur. Ouais, je lâche qu'à 7 millions. Alors, concrètement, ça a l'air plutôt simple. On va prendre chaque ligne et les sauvegarder dans un tableau. Alors maintenant, on va faire la chanson de Christmas parce que comme ça nous permettra de pratiquer un peu les boucles. Alors, on va vider ça. Et on va faire let sentences égale ce tableau-là. Voilà, on profite des fonctionnalités avancées de notre IDE qui permet de faire ça, et ça, et ça. C'est beau, la modernité. Maintenant, Rust permet la manipulation de l'audio. Bah sûrement, hein, tu peux tout faire. Hein. En général, les langages bas niveau comme ça. Alors, ça, on a besoin de boucler combien? 12 fois. Donc moi j'aurais tendance à dire for a in 1 12. Ça passe ou comment ça se passe? D'accord, donc on peut faire ça. Ça c'est vraiment pas mal ça. Et là on va faire un FMT. Non, FMT. On va faire un print FMT, c'est dans Go. Println de a. Attention. Voilà, ça m'affiche 1 jusqu'à 11. Donc, c'est 12 non compris. Donc moi, je veux quand même le 12e, en fait. Donc là, on va lui dire 13. Vim faisait la même chose. Ouais, mais pas la souris. ok. Donc, la première fois, tu dois afficher ça et ça. Ça arrive toujours en premier. Mais attends, c'est l'enfer, ce truc-là. Donc le premier vers, tu affiches le premier mot et le deuxième. Premier mot. Puis le dernier. Si tu fais le premier. L'avant-dernier. Je peux pas faire for i in. Oui, j'aurais pu faire un. Ouais, mais je préférerais avoir le nombre en fait. Mais par contre, ce que je peux faire. Non, mais. Pour l'instant, j'écris caca. Le but, c'est d'essayer de pratiquer les boucles. Mais t'as raison, j'aurais pu faire mieux. En fait, c'est que je ne veux pas récupérer chaque phrase parce qu'à chaque fois, je vais avoir besoin de la première puis de la suivante.
Le mec qui bug, c'est là sur le deuxième exemple. Non, déjà, à chaque fois, celle-là, elle sert à rien, en fait, de phrase. Celle-là, elle va toujours être là. Donc, on va faire un println et on va toujours afficher la première phrase relou. Ça, il m'autorise, on est d'accord. Voilà. Maintenant, à la première boucle, je vais prendre le dernier élément du tableau. Donc là, je vais faire for k in. Alors ça, on va l'appeler k. Et ça, on va l'appeler j. Et on lui dira for i 1, deux points, k. Ça passe? Voilà, c'est trop bien. Non, c'est first day, second day. Ah, oh, putain. Bah, attends, on va l'appeler let days. Et on va créer un tableau. First, second. Et comment ils mettent 12? Ouais, mais ça en vrai, tu sais quoi, on va mettre. Nous, on va mettre un chiffre. On va mettre un chiffre. On the. Voilà, là, on va mettre le numéro. On s'en fout. Le but, c'est pas d'être exact, c'est juste de pratiquer. Alors, pour J, allant de 1 à K. Est-ce qu'on peut reverse un tableau? Let sentences égale sentences. On va créer une variable mutable, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si je fais ça, ça renvoie. Ça nous renvoie quoi? Ça nous renvoie rien, donc ça mute là, les phrases. Et là, maintenant, les phrases, elles sont inversées. Attendez, vous m'induisez en erreur là. Vous m'induisez en erreur. Je ne vais pas inverser. Je n'ai pas créé un mutable. Donc, le premier truc, là, je vais prendre, par exemple, là, pour l'instant, on va faire bête et méchant. On va faire un println. On va mettre entre guillemets et on va prendre la phrase sentences, sentences qui correspond à J. J'ai le droit de faire ça? J'ai le droit. J'ai le droit, donc je le fais. On me dit que j'ai un import inutilisable. Enfin, inutilisé. OK. On me dit aborting could not compile. Unexpected token for. Ah, j'ai oublié le point virgule. Ah, comment je l'interprète ça? Je fais ça? Ça, je sais pas le faire, ça. Comment je récupère l'élément dans un tableau avec une valeur dynamique? Ok. Ah ouais, par contre, c'est chiant la phrase en fait. Alors, on the on them day, 11 pipers, 10. Bah, c'est bon en fait. Non, attends, ça fait quoi la première phrase là? C'est là, on va faire cette phrase. Ça prend le truc. Ah, 11. Non, ça va être 0 à K. Mais ça, il faudrait le soustraire à sentences, sentences.length. En tout cas, ici, il fait n'importe quoi, mais on sait pas ça. Sur un malentendu, ça passe. Au premier jour, ça marche pas. Au deuxième jour, ça marche. Il met e partridge, mais après, il met e partridge puis tout turtle. Alors que, en fait, c'est d'abord tout turtle puis e partridge. D'accord. Voilà. En fait, il faut que je parte de cet index-là. Donc là, en vrai, il faut que je parte. Il faut que je calcule le truc. On va l'appeler start.
on va faire sentences point length moins k. En fait, ce k il devrait commencer à 0 et 12. Et là, je vais mettre k plus. Désolé, hein, je bug sur de l'algo de base. C'est peut-être pas très intéressant, mais c'est comme ça qu'on apprend. Parce qu'en fait, là, ce que j'essaie de faire, c'est pas forcément apprendre. Finalement, enfin, c'est pas lié à Rust. C'est moi qui bug comme un con, quoi. Pour de 1 à de start à 12, du coup. Et là, ça sera J. Voilà, là, je pense que ça va dire la chanson. Donc, au premier jour, ça nous donne pas les bons trucs, mais au deuxième jour, ça donne Partridge Pear, puis ensuite, ça nous donne Turtle. Il y a juste un décalage de un jour, quoi. Du coup, si je commence à 1 au lieu de 12, et que là, je mets K, mais que je m'arrête toujours à 1, là, ça fonctionne bien. On arrive au 11e jour où il nous dit 11. 11e jour, il nous dit 11 Piper, 10 trucs, et voilà. Voilà, j'ai fait ma chanson, c'est trop bien. Gagné! Allez, Microsoft, il faut aligner les mignons là. Understanding ownership. Alors là, je pense que c'est là où les gens disent que ça va être galère, c'est ça? On est d'accord? Je fais le ownership et après, je vais manger. Non, ça c'est facile. Ok. C'est quand que je vais apprendre la concurrence? Oh là là, mais ça va être en 16 saisons le truc. Ok. On ne se décourage pas. On apprend. On finira sur le 4, on fera le 5 demain. Alors le ownership, ça permet globalement. Therefore, it's important to understand how ownership work. Ok. Waouh. Alors de ce que je comprends, ça permet de dire que tu as besoin de la variable et c'est toi qui la possèdes. Et comme ça, quand tu sors, le garbage collector, il pourra travailler. Ok, donc là, on nous parle du garbage collector. C'est tant que le langage fonctionne, ben, il y a un truc qui passe et qui va regarder un petit peu quand est-ce qu'une variable n'est plus utilisée. Alors, attends. In other languages, the programmer must explicitly allocate and free the memory. Rust use a third approach. Memory is managed through a system of ownership. Ok. Some languages have garbage collection that constantly looks. Donc, par exemple, PHP.js, automatiquement, quand il voit qu'une variable est plus utilisée, on ne sait pas trop comment il le sait, mais il le sait, il te dégage la mémoire. Il y a d'autres langages où c'est toi manuellement qui dois faire un release. Moi, c'est ce que j'avais fait en Objective-C. Ça a été un enfer. Et du coup, là, on nous explique que Rust, ils se sont dit, non, nous, on peut faire mieux. On a un système de ownership avec des règles que tu vérifies à la compilation. Voilà, et puis c'est pas lent à l'exécution. Alors, c'est un nouveau concept. Du coup, bah, ça va être galère. Enfin, il t'explique que voilà, il faut un petit temps pour t'y habituer, c'est un peu particulier. Et quand tu as compris le ownership, ben, c'est bon, tu sais pourquoi, c'est trop bien. Alors là, on a une partie sur la stack et la heap. En vrai, PHP va juste garbage collect si tu as des dépendances circulaires. Ben, si je crée une fonction qui a utilisé une variable A, quand cette variable est, elle est, voilà, je pense que c'est mort, quoi. Enfin, elle est supprimée après. Alors, stack et heap. Stack, c'est la pile et l'état. Ok. You don't have to think about the stack and the heap. Ça, je suis d'accord, effectivement. Mais par contre, dans les langages système, c'est là où c'est fun. Ok, suivant que c'est sur la stack. Ah ouais, par contre, je ne sais pas ce que c'est que stack et heap. Peut-être il me l'explique, mais je vais aller. Alors, je ne sais pas si je devrais chercher ça sur Quantimage pour le coup. Ouais, ok, il n'y a pas des schémas qui expliquent vachement bien. Peut-être ils vont me l'expliquer, donc je vais garder ça dans le coin de l'œil. Et on va revenir sur ça. Both the stack and the heap are parts of memory that are available to your code to use. Ok, pour l'instant, moi je ne connais pas la différence et je ne sais pas la différence. Ok. The stack store value in the order it gets them and remove the value in the opposite. Ah, c'est une FIFO, quoi.
Last in, first out. Non, c'est l'inverse. C'est une LIFO. Last in, first out. Ok. Ouais, c'est. Ah, l'analogie est pas mal. C'est une pile d'assiettes. Donc tu rajoutes une assiette et quand tu as besoin d'une assiette, tu prends la dernière. Parce que si tu prends celle du dessous, tu vas galérer, c'est cause quoi. Ok, très bonne analogie, ça me permet de comprendre. Donc ça, c'était quoi ça? Ça, c'est une stack, comme une pile. Ok. Ok, sinon on a une heap. C'est moins organisé. Et quand on met des data dans la heap, on lui dit, tiens, j'aimerais bien récupérer de la valeur. Ok. Considérer when the pointer is. Ok. Alors là, on nous refait une analogie. Donc j'ai des assiettes. Je suis assis à un restaurant. Quand je rentre, je dis le nombre de personnes que je vais avoir à ma table. Et le staff, il me dit, ok, vous êtes 12. Alors, par contre, il faut qu'il la change cette analogie parce que les restaurants, ça n'existe plus. Hein. Et ensuite, ça place les gens dans la pièce. S'il y a quelqu'un qui arrive en retard. Ah, d'accord. Moi, j'ai dit, genre, je suis 12, mais en fait, il y en est 11 parce qu'il en manque un gars. Le gars, il a sa place qui est réservée, quoi. Ok, donc, envoyez. Bon, là, on m'explique les bases. Ça, c'est bien parce que moi, je ne les connaissais pas. Donc maintenant j'ai appris un nouveau truc et ça c'est cool, je pourrais me la péter dans les repas de dev. Ok. Alors, pushing to the stack is faster than allocating on the heap because the allocator never has to search for a place to store new data. Ben ouais, il a des empilis. That location is always at the top of the stack. Ok. In the heap is slower than accessing data to the stack because you have to follow a pointer to get there. Ok. Ah putain, ouais, ça c'est du très très bas niveau quand même. On continue l'analogie. Il y a un serveur à un restaurant. Il prend des commandes de tout le monde. Lui, il va préférer prendre toutes les commandes d'une table avant de passer à la suivante. Ouais, ça c'est pas vraiment vrai, hein. Si le mec il enchaîne les plats, il s'en fout dans quelle table c'est envoyé, quoi. Ah oui, mais par contre c'est le serveur dont on parle. Oui, effectivement, ça c'est chiant. Si toi le serveur il fait allez, la table A, puis la table B, puis la table A, puis la table B, il perd du temps. Il a plus vite fait. C'est le tas et la pile en français. Alors la pile, ça marche bien. Mais alors tas, c'est pas représentatif de ce que c'est, quoi. Ouais, j'ai compris, mais c'est juste que je trouve que tas, c'est pas très 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 parlant comme mot. En même temps, c'est tas en anglais, c'est ça? Bon, maintenant la question, c'est est-ce que moi j'ai besoin de savoir ça? Un tas de foin. La mémoire en pagaille. C'est pas organisé. Ok. Ouais, mais en général, tu vas pas chercher un truc dans un foin, quoi. Dans un tas de foin. Un placard. Un placard, c'est pas mal. Ouais, des étagères à la limite. Une chucubluc, quoi. First, let's take a look at the ownership ring. Keep each value in rest as a variable that's called its owner. There can only be one owner at a time. When the owner goes out of scope, the value will be dropped. Ok. Alors, on a appris dans le chapitre 2 qu'on avait une fonction main, gnagnagna, et qu'ensuite on avait des trucs. La variable s réfère to a string littéral. Ouais, ok. Where the value of the string is hard-coded into the text of our program. Ok. La variable est valide. Bah, s is not valid there. Ok. Parce que là, c'est pas valide. Là, c'est valide. On fait truc, et après, en dehors, c'est plus. Là, on est en train de me réexpliquer la portée de variable, mais en plus compliqué, j'ai l'impression. Ouais, voilà. Ok. Alors.
Oui, mais en gros, décotage, tu changes de scope, ta variable est perdue. Ouais, c'est comme un let en JS, quoi. C'est juste que c'est expliqué de manière hyper compliquée. Mais j'imagine que ça va être un peu plus bourrin après. Alors, pour illustrer le problème, on a parlé des data types, effectivement. Et voilà. Ok, alors là, on va nous parler des chaînes de caractères en parlant des ownership. Donc là, c'est pour parler de types un peu plus complexes, comme les chaînes de caractères ou des trucs comme ça. Ok. String littéral inconvenient, but they are not. Ok. Donc, ouais, elles ne sont pas immutables. D'accord. Ok. Oui. Si tu me dis que c'est pas immutable, en vrai, ok, je te crois. What if you want to take user input and store it? Oui, tu connais pas à l'avance la taille de ta chaîne de caractères, je suis complètement d'accord avec toi. Je vois pas où tu veux en venir, Rust, là. Ah, la valeur est stockée dans la heap. Ouais, ok. Elles sont immutables. Ah oui, elles sont immutables. Alors pourquoi ça serait sauvegardé sur la heap, une stack, dans la pile, tu ne peux pas mettre des trucs compliqués dedans? Alors, ce double colon is an operator that allow you us to namespace this particular from function. Attends, pourquoi j'ai fait new tout à l'heure et là c'est from? Ce double colon is an operator that allow namespace this particular from function under the string type rather than using some sort of like string from. We discuss the syntax of method syntax. Ok. This kind of string can be mutated. Attendez, 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 attendez. Tout à l'heure, on a vu new. On est d'accord, quand on crée des chaînes, on a vu string.new, non? Ah non, string2.new, ça crée une chaîne caractère vide et ensuite on lui assigne une valeur. Ok, from, ça permet de créer une chaîne directement. Append a literal to a string, this will output hello world. Attendez, je ne comprends pas. Je comprends pas qu'est-ce qu'il est en train de m'expliquer. Est-ce qu'il est en train de me dire que les chaînes ne sont pas mutables, mais par contre string.from est mutable? So what's the difference there? Why can't string be mutated but literals cannot? Ok. Alors, donc là on est en train de me dire que si je fais string from, je peux muter, mais par contre si j'avais mis juste hello, je ne peux pas muter. C'est-à-dire que là je peux pas faire. Bon, on va effacer notre chanson, tant pis, elle était très bien, mais j'imagine que je ne peux pas créer une variable qu'on va appeler h, hello plutôt, qui va s'appeler hello, et je ne peux pas à ce niveau-là lui dire de faire hello.push. Ouais, ça marche même pas, de toute façon, on ne me le propose pas, quoi. Mais si j'avais fait string de point from, et que je lui dis que là c'est hello, là déjà il va péter son câble. Ah non, non, là il pète pas son câble, ok. Et si je fais hello.push string, là, il râlera parce que ça, c'est pas immutable. Ok. Et là, je mets world. Chose que je pouvais pas faire avant. Ok. Ah, ok. Et les gens me disent, fais un mute hello de hello. Et c'est pareil. De toute façon, sur ce hello, je n'aurais pas push. Je peux juste parser. Enfin, techniquement, c'est immutable, mais ça sert à rien que ça soit mutable, quoi. Donc là, ok. In the case of string literal, we know the content at compile time. Ah oui. Ok. Donc en fait, il m'explique quand je mets une littérale, il le compile et donc c'est plus performant. Putain, ouais, c'est de l'optimisation de folie, quoi. With the string type, in order to support mutable, grab piece of text, we need to allocate an amount of memory on the heap. Mais comment il lui dit qu'il ne connaît pas la taille à l'avance, comment il fait?
Ok, quand je fais string from, j'alloue de la mémoire. J'alloue de la mémoire et il va se dire, ok, voilà cet espace et je te fous cette chaîne dedans. Le truc, c'est que normalement, il faudrait que je release à la fin. Voilà, c'est ce qu'on nous explique. Ouais, ok, without a garbage collector, it's our responsibility to identify when memory is no longer being used. Ok. Doing this correctly. Ouais, c'est super difficile, on est d'accord. Ouais, moi j'avais des problèmes sur mon application en Objective-C, elle galérait quoi. Rust take a different path. The memory is automatically returned once the variable that owns it goes out of scope. Bah, tu vois, je pensais que les garbage collectors c'est ce qu'ils faisaient. Si je fais un let en JS et que je mets une valeur. En fait, c'est juste que c'est expliqué de manière très détaillée, ce qui est pas mal parce que ça me permet de comprendre des trucs que j'avais jamais su. Mais par contre, en JS, le garbage collector, il fait quoi? C'est exactement ça? Je comprends pas la différence là. Je vous avouerai que. Ouais, on est d'accord, Lior. Hein oui, non, je suis d'accord ce que vous dites, mais en vrai. Oui, j'imagine que le fonctionnement interne doit être différent. Mais en JS, je me suis toujours dit, je crée une variable, en dehors de ma fonction, le truc, il va l'effacer parce qu'il sait. Ok, this pattern has a profound impact on the way Rust code is written. It may seem si simple right now. Ouais, c'est vrai que ça me semble. But the behavior of the code can be unexpected and more complicated situation when we. Ah, alors là, on va nous expliquer des situations où ça va être un peu galère. On est parti. Plusieurs variables peuvent interagir avec la même donnée. In different way. Let's look at this example. We can probably guess what it is doing. Bind the value sent to X, then make a copy of the value in X and bind it to Y. On a deux valeurs qui sont toutes les deux égales à 5. Et c'est une copie, normalement. Because integer a simple value, ok. Ah, par contre, si je crée une chaîne et que je crée deux valeurs. Là, j'imagine que ici, il a alloué ça sur le tas. Et du coup, S2 fait référence à la même valeur que S1. C'est pas du tout la même chose pour moi. Ok, on est d'accord. Donc là, on a notre hello. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la stack ou c'est la heap? Va take a string under the cover. A string is made of three parts. A pointer to the memory that holds the content. Ok, dans S1, on a. Le pointeur qui fait référence à là où c'est sauvegardé dans le tas, la longueur et la capacité. Le problème, c'est que la capacité a grandi, du coup, si la chaîne a grandi. Ok. The capacity is the total amount of memory in bytes that the string has received from the allocator. The difference between length and capacity matters, but not in this context. Ok, bon, on s'en occupe pas pour l'instant. Quand je fais S1 à S2, je fais référence à la même valeur, en vrai. Ok. The representation does not look like figure 4.3. C'est quoi la figure 4.3? 4.1? Take a look at 4.1, 4.2, 4.3. Representation in memory of the variable S2 that has a copy of the pointer length and capacity. Enfin, il n'est pas en train de me dire que c'est ce que fait Rust là. The representation does not look like figure 4.3. Ouais, on est d'accord. Which is what memory would look like if Rust instead copy. Ouais, d'accord, ok. Là, en fait, c'est ce qu'il ferait s'il faisait une copie. Et lui, il fait pas ça, il fait ça. En fait, ça me fait penser aux listes ou des trucs comme ça, où en fait, dans un tableau, on fait référence toujours au même tableau, ou à une slice d'un tableau plutôt que de faire un nouveau tableau. Ok. Quand une variable sort du scope, Rust drop la fonction, drop la truc, ok. This is the problem when S1 et S2 goes out of scope. Then they will both try to free the same memory. Ouais, c'est logique. Mais par contre, freeing memory twice can lead to memory corruption, which can. To ensure memory safety, there's one more detail to what happened in the Rust instead of trying to copy the.
Press consider S1 to no longer be valid. D'accord. Ah, ça c'est funky ça. Ça je fais ça. Ah, ça par contre, ça c'est spécifique à Rust. On me dit value borrowed here after move. Quand une variable est prise, on ne peut plus y faire référence. If you add some shallow copy and deep copy, while working. But because Rust also invalidates the first variable, instead of being called a shallow copy, it's now a move. You see example? Oui. D'accord. Alors ça, par contre, ça c'est particulier, ça. That solve our problem. With only S2 being valid. Ah ouais, mais attends, ça c'est chelou ça. Ah, tu peux cloner. If we do, ok. Si je me dis, ouais, mais tu perds l'intérêt quoi. Tu clones et dans ce cas-là, ça refonctionne. Ok. Enfin, j'ai des warnings, mais. Oui, j'ai des warnings, mais ça fonctionne. D'où le terme ownership. La valeur appartient à une variable jusqu'à ce que tu files la valeur à une autre variable. Ah. C'est intelligent ça. J'imagine que ça doit te péter au visage dans pas mal de situations, mais c'est intelligent. Mais je comprends mieux pourquoi, du coup, par rapport à Go, déjà, ça peut être plus performant. Parce que Go, on n'avait pas cette notion-là. Vers another wrinkle, we have to talk the code using integer, part of which. Ok. But this code seems to contradict that we don't have to call clone, but x is still valid and wasn't moved into. Waouh, ok, ça sert à rien. Ok, quand quelque chose est copiable, automatiquement, quand on peut faire ça, ça fait une copie, c'est ça? If a type implement the copy tray and ok. Ok, alors qu'est-ce qui. Un booléen c'est copiable, un integer c'est copiable, les floating sont. Ok, les caractères types et les tuples s'ils contiennent une de ces valeurs-là. Ok. Ouais, mais alors je me méfierais. Les gens disent un article intéressant sur Discord. Le problème de Discord c'est qu'ils sautent de langage en langage et à chaque fois ils trouvent que c'est pire, qu'ils ont du mal et ils ont des problèmes. Au final, PHP, c'est quand même bien ça. Ah, on n'est pas sur les mêmes besoins. Là, alors, pourquoi j'apprends ça? Les gens peuvent se poser la question. Je pense que c'est important d'y répondre. C'est par curiosité, plus que un besoin. Je n'ai pas de besoin de Rust. Mais en fait, quand vous apprenez de nouvelles choses, mine de rien, vous allez prendre des capacités que vous allez pouvoir intégrer dans vos langages classiques. Donc, même si techniquement, je ne vais pas forcément utiliser Rust pour un projet, il y a des manières de développer, ça te débloque en fait de nouvelles pistes pour ton. Même pour un langage de base, quoi. Et par exemple, j'ai beaucoup appris avec Elixir, par exemple, j'ai appris beaucoup sur le fait qu'on pouvait coder sans objet avec du fonctionnel, et après, ben, j'ai intégré ça dans ma manière de travailler plus généralement. Donc j'étais plus à l'aise aussi avec les maps, les reduce et tout ça. Alors qu'avant, pas du tout, quoi. Avec du Rust, tu fais une app qui bombarde au niveau gestion de ressources. Ouais, mais en fait, si tu as un tel besoin, c'est que tu es en train de coder une base de données ou coder un truc hyper technique, en fait. Et nous, en tant que développeurs web, on va se mentir, c'est rare que tu aies besoin de la micro-micro-performance. Là où les gens en ont besoin, c'est sur des algos qui, personnellement, me dépassent. Tu vois, c'est un algo de recherche ou ce genre de truc, mais je n'ai pas du tout le background technique pour faire ce genre de truc. Donc moi, dans ma vie de tous les jours, je ne vais pas avoir un besoin où j'ai besoin de micro-optimiser, quoi. Mais là pour l'instant je trouve que le sacrifice qui est fait, enfin le langage n'est pas dégueu pour l'instant, donc ça c'est pas mal.
Mais après, comme je dis, c'est l'avantage, c'est que ça étend aussi tes perspectives et ça, c'est toujours bien d'apprendre de nouvelles choses. Ça prend pas trop de temps, enfin là, ça va en prendre, mais puis au moins tu sais de quoi ça parle. Si la prochaine fois qu'on parle de Rust, je sais écrire quelques lignes. Passing a variable to a function will move or copy. Alors ça par contre c'est chelou. Here some string goes out of scope. Attendez, attendez. Alors là si je comprends bien, si ma variable s1 je la crée, cette variable s1 je la passe à quelque chose. On va créer une fonction démo. Cette fonction elle va s'attendre à avoir un mutable qui sera une chaîne de caractères. Comme ça. Je sais pas comment on l'écrit. Some string. Ok, on lui donne une chaîne de caractères qui sera une string. Et là, je fais un FMT, non, un println. println. Et j'affiche la chaîne de caractères. Si ici, enfin, je vais mettre ma chaîne. Si ici, je lui dis, j'aimerais bien. J'essaie par moi-même, hein, histoire de me faire mon truc. Si je fais S1. Voilà, non, forcément, ça va pas marcher. Mais si je fais démo de S1, ça passe, ça marche. Value board. Ok. Ah. En fait, comment je fais si je fais un mutable? Non, on nous a dit que les chaînes étaient mutables ou pas? Non, on nous a dit que c'était immutable, c'est ça? Attendez, je regarde. Les chaînes sont immutables ou mutables? Il faisait un push là. Non, ça c'est mutable. Pourquoi je peux pas mettre mute? Non, la chaîne est bien mutable. Si je l'avais sauvegardé dans un truc mutable, là j'aurais le droit de faire ça, je suis d'accord. Ok, là il me dit ça n'a pas besoin d'être mutable. Je fais ça. Alors ça par contre sur n'importe quel langage de programmation, c'est flingué. Ouais, mais là. Non, en fait, par défaut. En fait, si j'utilise la variable, c'est lui qui en prend le contrôle et qui va la drop. Et du coup, j'ai plus accès là. Ça, par contre, c'est chiant, ça. Ça, c'est clairement chiant. Alors, on redescend. Desmute S1. Là, tu l'aurais mis. C'est un pointeur vers un mutable. Attendez. Expected string found mute. Non, démo mute S1. Ouais, mais c'est string moi que ça s'appelle, c'est comme ça. Ah mais par contre là je précise pas le type, c'est ça? Non. Est-ce qu'on est, qu'est d'accord que j'ai bah, je vais continuer à lire. Je vais continuer à lire. Donc là c'est ce que j'ai expérimenté. Attendez, j'en étais où? Avec les fonctions. Return value and scope. Donc voilà. Ownership and functions. On en était là. Donc, quand une fonction utilise le truc, take ownership of S, X come into scope. FN. Ah, c'est là où j'aurais dû mettre mute comme ça? Et du coup, là, faut que ça soit un mute aussi. Non, je crois que je. Let mute SR. Let mute S1 mute de string de point string. What?
Mutes. Ouais, non, je vais lire la suite. Ah, let s1 de point mute. Ouais, non, je vais lire la suite. Ok. Returning a value can also transfer ownership. As an example, we use similar annotation. Ok, je fais s1 et je fais un gives ownership. Move its return value into s1. S2 come into scope. Ok. Et S3, S2 is moved into takes and give back. Takes and give back. Ça redonne S3. Here, S3 goes out of scope and is dropped. S2 goes out of scope but was moved. So nothing happened. S1 goes out of scope and is dropped. Ouais. Follow the same pattern every time. Assigning a value to another variable, move it. Ok, et sinon, si j'appelle une fonction, ça le move it aussi. When a variable that includes data on the heap goes out of scope, the value will be cleaned up by drop. Unless the data has been moved to. Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de me dire? Give ownership will move its return value into the function that calls it. Oui, là en fait, l'owner de cette variable-là, ça sera lui. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Je vais l'écouter après. Ah, taking ownership and then returning ownership with every function is a bit tedious. But if we want to let a function use a value but not take ownership. Ah, ils m'ont entendu. Ils ont vite édité la doc parce qu'ils se sont dit putain, il est en train de dire que ça va être galère. Ouais. Ouais, on est d'accord. It's possible to return multiple value using a tuple. Attends. If we want to use it again, in addition to any data resulting from the body. Ouais, j'ai l'impression qu'ils me font l'envers là. But this is too much ceremony and a lot of work for a concept that should be common. Luckily for us, as a feature called reference. Ok. Là, globalement, on nous dit que tu peux retourner. C'est chiant. Et je pense qu'ils ont un truc. Alors, voilà, c'est relou, on est d'accord, gnagnagna. Here is no way you would have defined use calculate length. Function that has a reference to an object as a parameter in software taking off. First notice. Attendez. Here is how you would define and use calculate length function. Alors, on va se créer. Donc, on va prendre une fonction qui va être capable de calculer la taille d'une chaîne. Voilà, on va s'imaginer l'écrire cette fonction. Donc, on ferait une chaîne qu'on appellerait S1 et on ferait un string ::from et on utiliserait hello world ou juste hello. Ça a 5 caractères. Ensuite, je vais créer une nouvelle fonction calc length. Cette fonction, elle prendra en paramètre quelque chose de type chaîne de caractères. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un s.length que je vais retourner. Là, je vais faire let l ou length égale calc length de s1. Et ensuite, je fais fmt.println. Je vais jamais y arriver à ça par contre. Je print ln de. Ils ont mis deux guillemets. Ok. La taille de la chaîne et on met entre guillemets la première chaîne et ensuite on met la valeur. On va du coup utiliser notre chaîne de caractères et la taille. Voilà. Sur le papier, on est bon. Si ce n'est que ça, ça retourne un U32. Je lance mon code et aux surprises, j'ai oublié des parenthèses. Je relance mon code et aux surprises, d'accord, ça c'est un U-size. Je relance mon code. Ok, ça clairement c'est surprenant quand même, on va pas se mentir. Donc là, eux ils disent qu'on peut passer une référence. Donc on lui dit, là je passe la référence vers la mémoire et c'est la référence que je veux utiliser ici. Non, et ils mettent ça là. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Je réexécute et là ça marche. Ouais, c'est des pointeurs quoi.
Là, je lui dis, c'est le pointeur vers ça que tu vas recevoir. Et là, je lui dis, c'est le pointeur que tu vas recevoir. Tu remarqueras la pertinence des messages d'erreur. Celle-là, en tout cas, oui, il te donne bien les bonnes erreurs. First, ok. Ouais, là, on est en train de me réexpliquer les références. Ok, donc dièse, enfin dollar, c'est une référence. Par contre, dans les types, pour le mettre comme ça, c'est par contre, je ne sais pas où il faut le mettre, c'est là où c'est chiant. Donc en fait, la fonction, à aucun moment, elle prend le contrôle de la variable parce qu'elle, elle a juste une référence vers la variable. Alors par contre, là, j'essaie de modifier la variable, la variable. Je fais un push string et je rajoute world. Comme ça. Et je return. Ben non, je return pas. Ouais, non, je fais juste mon truc là. YOLO, je modifie les trucs. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit déjà que j'attendais un retour, donc effectivement, je n'en ai plus. Mais il me dit cannot be formatted with the default machin. Ah oui, putain, j'oublie toujours ça, c'est ouf. Ça, on va le retirer. Voilà. Et ça, ben on va le retirer. Oui, ça c'est un argument en trop. Un peu relou, hein? En tout cas, oui, quand on a des erreurs. S is a reference, so the data it refers to cannot be borrowed as mutable. Ouais, j'aurais tendance à dire. Consider changing. Ah, on me dit même ce que je devrais faire. Je fais ça. Ouais, il faut du coup que ça soit mutable. Sauf que je ne sais pas écrire les trucs en fait. Et si je fais ça, on est d'accord que de toute façon ça copie. Ok. Mazzoni, c'est quoi le champ d'application? En fait, c'est dans les cas où tu vas avoir besoin vraiment d'optimisation mémoire. Un exemple que j'aime bien, c'est FZF. Je crois que c'est écrit en Go. En Go, en Rust. Je vais quand même vérifier ce que je dis pour pas dire de la merde. C'est où qu'on voit en quoi c'est écrit maintenant? Ça a disparu? C'est écrit en Go. Bon, ringgrep. Voilà, ringgrep est écrit en Rust. Et concrètement, c'est celui qui a. Quand j'ai fait le tuto sur la distance de Liefenstein, c'est cet outil-là qui m'a donné envie de le faire. Je ne sais pas si je l'ai. Je l'ai. Imagine, tu vois, je me rends sur le code source de GraphiCart. Tu as été sur Windows, par exemple, ou sur truc. Si tu veux chercher dans toute la base de dans tous les fichiers un petit texte, ça met des plombes. Ça met des plombes. Si tu fais un petit coup de RGF et que tu fais comments, voilà le temps qu'il a mis pour parser toutes les sources. Vendor, enfin, je crois qu'il ne met pas vendor et tout, mais tu vois comment c'est super méga rapide? Et en fait, pour ce genre de truc. Alors, c'est clairement pas du dev web, on est d'accord. Mais pour des trucs hyper poussés, bah, le moindre petit espace mémoire que tu peux gagner, bah, ça a un impact de folie, quoi. Et du coup, c'est pour ce genre de situation, il y a des systèmes de recherche, même des gens qui codent en base de données et qui codent des bases de données. Et là, tu as besoin de faire du système et tu as besoin d'aller super vite. Pour un dev web lambda, ça ne sert absolument à quasi rien. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Mais par exemple, si on te dit, tiens, il faut que tu codes un système qui va convertir une image et qui va changer les pixels de couleur ou truc comme ça, bah, le moindre espace mémoire que tu peux gagner, c'est gagné. Et là, tu as besoin des optimisations qu'offre ce langage-là. C'était ça la question? Batcat, c'est la vie? Je connais pas. C'est un truc sur un. Bah, je regarderai plus tard. Je continue mon exploration parce que j'étais quand même sur ça. J'aimerais bien continuer. Donc là, on a une erreur. Just variable as immutable by default, so our reference we are not allowed. Mutable référence. Ah, c'est ce que je cherchais. Ok, donc si je voulais créer ça en mutable, je peux faire ça. Nope.
Je suis bon pourtant, non? We can fix the error in the code. First, we have s to be mute. Ah oui, j'ai oublié de préciser que c'est mutable. Ok, donc là, je lui passe une référence mutable. Ok. Bat. Attends, je vais copier juste sur un coin de l'écran parce que je ne sais jamais sur quoi vous me redirigez. C'est un cat clone. Ouais, ok. Je connaissais pas. Bat. Ça change quoi? Bat support syntax. Ah, ok. Ah, ça, c'est pas mal. Bah, je regarderai. Et ça fait plein d'outils à installer. Merde, j'ai loupé, attendez. First, but mutable reference have one big restriction. You can have only one mutable reference to a particular piece of data in a particular scope. This code will fail. Pour le web, du coup, je suis d'accord avec petite commu Rust ici présent. Faire du web assembly est beaucoup plus facile. J'adore, tout le monde sort les outils Rust. Ok. J'espère que j'ai répondu en tout cas à la question de l'utilisation de Rust. Mais après, voilà, je n'ai pas encore fini d'explorer le langage. En tout cas, les erreurs sont super claires. Ça, c'est vraiment un bon point. Quand tu viens du JS, t'es pas déçu, quoi. Donc, en fait, on empêche les data race. Alors, ça, c'est cool parce que j'en ai plein avec Go, avec les channels. Avec les mutex, j'ai plein de data race en permanence. C'est relou. Bon, en fait, de ce que je comprends là. Rust, il t'oblige quand même, ce qui n'est pas une mauvaise chose, à être bien conscient de ce qui se passe au niveau de ta mémoire, quoi. Nos problèmes. J'ai une référence à l'objet non mutable. Référence non mutable. Par contre, je peux avoir qu'une référence mutable. Là, il me dit big problème, mais pourquoi j'aurais un problème? Ah ouais, tu peux pas le choper en immutable si tu l'as chopé en mutable pour les autres. Ouais, après, il faut se méfier de ça. Les gens, ils veulent tout refaire avec le nouveau langage qu'ils ont découvert, quoi. Multiple immutable référence. Ah, ok. Ouais, ok. Ouais, c'est logique, en fait. C'est des règles en fait. Après, dans tous les cas, il va pas compiler, donc tu vas le savoir, quoi. Voilà. Avec les langages avec les pointeurs, c'est facile d'avoir des dangling pointers. Un pointer qui fait référence à quelque chose qui n'existe pas. Ouais. Ok, alors là, ce qu'ils essaient de faire, c'est de créer une dangling référence. Alors, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils renvoient. Alors, ils créent une variable s et ils donnent une référence. Je comprends pas trop là ce qu'ils font. If you have a reference to some data, the compiler will ensure that the data will go out of scope before the reference of the data does. This error. Message réfère to feature we haven't covered. Lifetime. This function return type contain a borrowed value. Ok, j'ai pas compris, donc on va me l'expliquer. Donc ça renvoie une référence vers une chaîne de caractères. S, c'est ma nouvelle chaîne de caractères, et on retourne la référence vers la chaîne. Ok, S devient out of scope. Et du coup, il est droppé. Ah, il est droppé, mais la référence, elle reste. Ah ouais, oh putain, ça casse la tête ce truc-là. En tout cas, il plante à l'avance. Go, il me crache au visage si je fais ça. Ouais, tu renvoies la chaîne en fait. Ouais, c'est bizarre de vouloir passer la référence.
Et par contre, j'imagine qu'il doit te gueuler tout le temps dessus, le truc. Moi, je commence à avoir trop faim, malheureusement. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais peut-être faire le 4-3 de mon côté. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'imagine que c'est pour m'expliquer que je peux prendre un morceau d'une chaîne ou un truc comme ça. Voilà, à mon avis, c'est quelque chose qui est assez classique. Je vais juste le dire pour être sûr. Il y a tellement de chapitres. Et je vais continuer un peu après pour les prochains lives. Dites-moi si vous aimez bien le concept ou pas. Et si vous avez envie de continuer à découvrir ça. Sinon, on peut partir sur d'autres choses sur les prochains lives. Pour l'instant, j'en suis. Alors, bah, j'ai pas fait grand-chose, on est d'accord. Mais pour l'instant, la structure me semble pas déconnante. Alors, par rapport à des langages au niveau, genre PHP et tout ça. Clairement, oui, c'est plus compliqué parce qu'on a les références, les trucs comme ça c'est tout de suite un peu compliqué. Mais concrètement, enfin, la structure me semble pas ouf, déconnante. J'aime bien la syntaxe, le langage. Là où je me demande comment ça va se passer, c'est comment on va faire des types, entre guillemets, custom et ce genre de choses. J'ai pas mal aimé les interfaces tout en Golang. Donc, je me demande comment ça va se passer après à ce niveau-là. Donc, c'est cette partie-là où j'ai envie de voir pour voir quoi. Et oui, Lior avait envoyé ce lien-là apparemment qui était pas mal. Donc, c'est pour les comparaisons PHP Rust. Je pense que je ne vais pas la regarder moi. Non pas que je l'aime pas, hein, mais c'est juste que je veux continuer à faire l'exploration Rust sans faire d'analogie en fait. Et ensuite on je regarderai cette vidéo-là pour voir un petit peu les correspondances. D'accord, ok. Bah sur ce, je vais voir s'il y a quelqu'un qui stream et je vais aller manger. Et après, pour ceux qui... Hop. Ah, attendez. What the fuck? Des gens qui commandent du foot. Alors, parcourir. Je pourrais vous renvoyer vers Hachou, mais il fait du. Du coup, ça serait pas dans le thème. Or, s'il y a quelqu'un qui stream. Alors, on est en français? Ouais, on est en français, cool. On a beaucoup d'Unity, du Scala. Apprentissage de Rust. Attends, je vais voir ce qu'il fait. Il y a Loud. Je connais pas. Attends, je vois ce que. Alors, ouais, par contre, c'est pas le même niveau que moi, lui. Lui, il est en train de faire une nuée d'oiseaux en Rust. Attends, je le garde sous le coude. Toi, tu m'as dit. Je connais pas. Ouais, mais je cherche quelqu'un qui a vraiment pas beaucoup de spectateurs. En général, c'est plus rigolo. Allez, je vais vous renvoyer vers Perroco. Comment on. Ah merde, attendez, j'ai perdu le truc. Oui, c'est bon. Lancer un raid. Non, pas lancer une publicité. Ouais, ce soir, je ferai peut-être un peu de. Il faut que je mange et tout. Bon, allez, je vais vous renvoyer sur encore du Rust, mais là, c'est l'air d'être du Rust un peu plus haut niveau. Vous allez pouvoir avoir peut-être une mise en application en exemple. Donc, c'est quelqu'un qui apprend Rust et qui essaie de faire une nuée d'oiseaux. Sur ce, bonne soirée. Il est où? Hop, OBS.